On est tous les jours submergés, on ne sait plus trop où donner de la tête. Et quand on dit l'avenir c'est demain, c'est pour ne pas dire c'est aujourd'hui. C'est demain, ça veut dire qu'on peut y faire quelque chose. On peut agir. Et c'est tout l'objet du, du CERA. C'est justement nous donner des clés pour comprendre et surtout anticiper l'avenir pour le préparer. l'entrepreneuriat, le, il y a euh, l'idée euh, non seulement de mettre les mains dans le cambouis mais aussi euh, quelqu'un qui, qui va euh, modeler entre ses mains euh, les réalité qui l'entoure. La solidarité est importante, on dit toujours qu'il faut en meute, et ben voilà on est présent tous ici euh, ben pour grandir, pour apprendre de nos différences, euh, pour s'enrichir, euh, pour s'ouvrir. Comment est-ce que le numérique aujourd'hui nous oblige à, à considérer un peu autrement euh, euh, toutes nos structures et nos cadres de pensée, de travail euh, politique, etc. C'est scandaleux, on passe des années à se former et maintenant avec un tutoriel sur internet il y a n'importe qui qui peut faire notre métier. Et oui, c'est scandaleux, mais c'est comme ça. Demandez pas à l'État de faire une loi contre le fait que la marée monte. La marée, elle monte. Ouais c'est scandaleux que la marée monte, ça détruit tous les châteaux de sable qu'on a construits. Mais le problème c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour surfer sur la marée. En 10 ans, on a multiplié le chiffre d'affaires d'entreprise par, par 11. J'étais entrepreneur et je fais partie de ceux qui ont été dotés d'une chance d'avoir pu créer mon entreprise en Vendée. J'estime que oui la Vendée est une terre de chance. On ne prend pas le temps de s'arrêter pour respirer ou prendre une autre inspiration, euh, on va droit dans le mur. Être attentif à ce qui se passe, euh, essayer de, de voir ce qui est invisible. Voilà mon idée, c'est que punir, c'est une preuve d'amour. D'ailleurs, je dis être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Et punir, c'est rendre service à quelqu'un qui ne vous le demande pas. Notre avenir est dans nos mains. Le, le monde est dans nos mains. Ça viendra pas. Le changement, l'amélioration, viendra pas. Euh, des gens puissants de ce monde viendra pas. Des politiques, c'est dans nos mains. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que finalement, si chacun d'entre nous on décide d'agir pour bâtir le meilleur, et eh ben forcément, le monde change. Le ying, c'est le management habituel de type causal, et le yang, c'est le management de l'effectuation. La plupart de nos experts, quand, quand ils viennent nous rencontrer au sera ils sont étonnés. C'est ce qui fait la marque de fabrique du Serra, c'est qu'on prend le temps de la réflexion. Une rencontre avec des experts. Donc c'est une nourriture riche. C'est vraiment souvent des, des bons bouillons de culture. Montrez-moi comment vous apprenez vite. Le reste, je m'en fiche. Et donc mais demain, si vous voulez retrouver des potentiels êtes en entreprise, vous en qu'un seul client. Des... Ah, non, pas ah, moi, pas. Moi, je préfère avoir plusieurs clients. Donc quand je vais, mon fond de commerce, ça va. Au Serra, euh, on y vient physiquement. Et, et la, la rencontre physique pour nous est essentielle. Cette fameuse clé que nous propose le CERA, elle ouvre l'avenir. Et c'est pour ça qu'on a voulu ce livre euh, L'Avenir, c'est demain. Le CERA... CERA, comprendre, échanger, réfléchir, anticiper. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette 87e rencontre du SERA, le centre d'échange et de réflexion pour l'avenir. Vous avez vu défiler tout à l'heure le programme de l'année restante et celui de l'année 2019. Il n'est pas tout à fait complet, mais les dates, elles, sont arrêtées, donc vous pouvez d'ores et déjà les réserver dans vos agendas. Cette fin d'année 2018, nous aurons le 6 novembre prochain à La Roche-sur-Yon, à l'ICAM, le professeur Henri Joyeux. Donc je vous invite à réserver. Euh, Est-ce que les réservations sont déjà ouvertes euh, en ligne sur le site internet du CERA Ensuite, nous terminerons l'année 2018 par euh, la deuxième édition des Vendée Talks, le 12-12, chaque année, le 12-12. Ce sera un rendez-vous. Euh, à Saint, avec les élèves de Saint-Gabriel à Saint-Laurent-sur-Sèvre, salle de la Clé des Champs. Pour l'année 2019, eh bien, nous aurons pour la première rencontre de, de l'année prochaine la présidente en exercice de la FNSEA, Christiane Lambert, qui débattra avec Yannick Roudot sur comment nourrir l'humanité. Ce sera le 6 février. Beaupro en Grande Vendée. Ensuite, le jeudi 21 mars, jour du printemps, chaque année, le jour du printemps, nous faisons le printemps des idées. Ce sera la troisième édition. Nous serons euh, le 21 mars euh, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, euh, salle euh, de la Clé des Champs, pour cette troisième édition du printemps des idées avec un, un monsieur qui s'appelle Stéphane Malard. Il est chercheur en neurosciences. Et il nous parlera de la disruption, comment se préparer à changer de monde. Et puis, euh, autre date où nous avons euh, déjà notre intervenant, Philippe Dessertine, économiste bien connu, on voit souvent à la télé, euh, qui viendra donc nous parler le 14 mai à l'ICES à La Roche-sur-Yon, le thème La France et l'Europe face à la quatrième révolution industrielle. Et puis, bah, pour le reste de l'année... Euh, nous planchons encore pour nous trouver de bons intervenants, de bons experts qui, qui décoiffent. C'est la marque de fabrique du CERA, et donc nous aurons le 24 septembre, le 5 novembre et le 12-12 2019 la troisième édition des Vendétoques. Voilà pour le programme de l'année 2019. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet avec notre intervenant d'aujourd'hui. Il est né le 25 mars 1949. Bon, Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire toute sa biographie en détail parce qu'on y sera encore à minuit ce soir. Mais tout de même, quelques points de repère. Diplômé de l'ENA en 1978, il a ensuite été sous-préfet, secrétaire d'État à la culture, député de la Vendée, président du Conseil général de Vendée de 1998 à 2010 député européen président fondateur du Mouvement pour la France le MPF candidat à la présidence de la République française en 1995 et en 2007 alors durant ces 22 années à la présidence du Conseil général de la Vendée on lui doit de très nombreuses réalisations notamment l'historial de la Vendée et le mémorial des guerres de Vendée l'ICES l'institut Catholique d'enseignement supérieur, les grands sites culturels et touristiques, Tifauge, Grammont, Maizet, la Chaboterie, niel sur lotise et j'en oublie, les Vendées aux pôles bien sûr, les autoroutes et le TGV en Vendée, le vent d'espace et bien sûr le vent des globes. Il est aussi écrivain, essayiste, auteur de 27 ouvrages, vous en avez. Quelques-uns à votre disposition dans, dans le hall d'accueil, grâce à notre libraire préféré Jacques Fillon euh, des Herbiers. Vous pourrez vous les procurer et euh, vous aurez une petite courte séance de dédicace après cette conférence. Le plus connu de ces livres, celui qui a le, le plus grand succès de librairie, c'est Le moment est venu de dire ce que j'ai vu publié en 2015. Le plus anticipateur, Malheureusement, il est épuisé, mais je pense qu'il va être réédité bientôt. Quand les abeilles meurent, les jours de l'homme sont comptés, en 2004. Et puis, son dernier livre, sorti la semaine dernière, qui démarre sur les chapeaux de roue, Le mystère Clovis. Donc, il a été haut fonctionnaire, homme politique et écrivain, il est toujours écrivain, mais aussi et peut-être surtout entrepreneur. À l'OETFM en 1981, et bien sûr, cette magnifique et très originale entreprise qu'est le Puy du Fou, partie d'une feuille blanche en 1977, le Puy du Fou qui se voit aujourd'hui décerner tous les premiers prix mondiaux et dont il va nous livrer pour nous les secrets. Mesdames et messieurs, chers amis, nous accueillons Philippe de Villiers. vraiment très heureux d'être avec vous ce soir au sable et je voudrais vous remercier chaleureusement d'être venu à ma rencontre pour parler d'une œuvre qui est l'œuvre d'une vie et qui s'appelle le puits du fou. Il y a un petit peu de l'arsène si la régie du Puy-du-Fou pouvait venir aider les sables. Alors d'abord, je voudrais remercier quelques personnalités qui sont ici. Euh, d'abord, Jean-Michel Mousset, qui est le président du CERA, qui est aussi un grand entrepreneur vendéen. Et je voudrais saluer à ses côtés tous les entrepreneurs vendéens qui sont ici dans cette salle, comme André Barto de la Micaline et, et tant d'autres, je ne peux pas les nommer parce qu'ils sont si nombreux et si prestigieux que un seul oubli me vaudrait une difficulté psychologique. J'aurais salué Monsieur le Maire des Sables. J'aurais salué également le dynamique président de l'agglomération des Sables, Yannick Moreau, mon ami, qui est quelque part dans cette salle. J'aurais salué la maire des Herbiers. Euh, Véronique Besse, qui est là, je l'ai tout à l'heure. Merci d'être là, Véronique. Ainsi que le euh, maire de Montaigu, Antoine Chéreau, euh, vice-président, premier vice-président de, de la région. Je salue aussi Gérard Faugeron, qui est un ami je salue chaleureusement, que je revois avec plaisir ce soir. Claude Ouvrard, qui a été pour moi à la fois un grand chef d'entreprise et aussi un, un conseiller général éminent qui a accompagné tous les projets que nous avons développés en Vendée. Je voudrais euh, euh, adresser un salut particulier. Il se trouve aux côtés de Laurent Albert, mon ami Laurent Albert, le directeur général de Puy du Fou. Euh, J'ai dit souvent, vous me donnez euh, 60 énarques, plus 15 polytechniciens, plus 10 normaliens, je garde encore Laurent Albert. Et euh, à côté de lui. <laughs> oui. Et à côté de lui, il y a ce soir quelqu'un qui m'a fait une surprise, qui connaît le plus du fou depuis toujours, qui revient même en vacances et qui est venu spécialement de Paris avec son épouse pour assister à ma conférence. C'est Monsieur Daniel Delcourt, président de Disneyland Paris. Merci. Et puis, je voudrais saluer, alors chaleureusement et affectueusement, euh, quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie de Vendéen. Euh, J'avais des rêves quand j'étais enfant et que je venais euh, au Puy d'enfer euh, ou manger au café pierrot gourmand ou visiter le, le port des sables. J'avais des rêves, c'était... Par exemple, de faire venir un jour le Tour de France en Vendée, de faire, enfin, d'organiser le départ du Tour de France en Vendée. Et puis, les circonstances ont fait que il y a eu le jubilé de Jean-René Bernaudot à Saint-Cyr-des-Gardes, chez lui. Et là, euh, derrière la Ganivelle, il y avait un monsieur. On se salue. Jean-Marie Leblanc, patron du Tour. Et je lui dis Ah, vous pouvez m'aider à réaliser mon rêve. Et il me dit Moi aussi. Ben, Changeons les rêves. Il me dit Moi, c'est de venir au plus du Fou. Je dis Moi, c'est de faire partir le Tour de France depuis la Vendée. Voilà. Jean-René, on s'est accompagné, on s'est suivi, on s'est soutenu. On a toujours été des amis. Tu es là ce soir. C'est un geste d'amitié qui me touche beaucoup. Je voudrais que tu te lèves pour que je te voie, que je t'envoie te, un salut. Jean-René Bernodeau. Un jour, euh, tout près d'ici, dans un café sur le port, je suis invité à déjeuner avec un homme que je ne connaissais pas. On était en 1988, j'étais jeune secrétaire d'État à la culture. Il s'appelait Louis-Claude Roux, c'était un grand patron, le mari d'Annette. Et là, il me dit :« Voilà pourquoi je vous ai invité à déjeuner, parce que il faut que la Vendée euh, fasse un effort. Vous pouvez le comprendre et vous pouvez faire cet effort, nous aider à faire cet effort. » Je dis :« Quel effort On n'a pas d'image. » Oui, je sais. Oui. Et vous pensez que ça, c'est il y a des solutions il me dit oui, il y a des solutions, mais à vous de les trouver. Et donc, euh, la situation était la suivante. 1988, on avait un tissu d'entreprise qui était sans doute le meilleur de France, puisque Michel Albert, mon ami Michel Albert, commissaire au plan, disait le Japon de l'Ouest, la Vendée. On parlait même du miracle économique vendéen. C'était d'ailleurs incroyable parce qu'on avait les plus belles entreprises de transport sans avoir de route. Henri Joyau appelait ça une réserve de chouans. Et quand je venais petit au sable, je me souviens que je parlais de ça avec mon père avec ma mère. Ils disaient « Mais pourquoi mes copains à l'école, ils baissent la tête ?» Quand on prononce le mot Vendée, euh, quand notre instituteur, M. Alphonse Thibault, prononce le mot Vendée, mes copains, ils baissent la tête. Ils me dit, Tu comprendras plus tard. La Vendée est du mauvais côté de l'histoire. On va camper avec mon frère Bertrand euh, au camping de la Demoiselle à Saint-Jean-de-Mont. Et puis quelques années après on ne peut plus camper parce qu'il n'y a plus de camping de la demoiselle parce qu'il y a Merlin Plage et cache à lapin. Et en lisant, euh, en commençant à lire les journaux, on voit assez le progrès. Cependant que la Vendée devient le premier département français pour le camping. Mais c'est du bas de gamme. Pendant ce temps-là, la boule se développe, haut de gamme. Et puis mes copains, ils continuent à baisser la tête. Et un jour, on m'explique, la Vendée est trois fois du mauvais côté de l'histoire. D'abord, en 1993, la Vendée n'a pas compris où était le progrès, les droits de l'homme. Elle a combattu la Révolution française. Ensuite, en 14, ça n'a pas été net. Les Vendéens n'ont pas été très nets. Et moi, je dis, ah bon, mais pourtant, partout sur les monuments aux morts, on voit des Vendéens. Oui, mais bon, ils n'ont pas pu faire autrement. Et en 40, ben, en 40, ils étaient collabos. Et donc moi, j'intériorisais <coughs> cette... Euh, cette image mauvaise. Et quand je suis arrivé à Sciences Po, mes copains disaient T'es vendéen Oui, oula. Et un jour j'ai rencontré Olivier Guichard, qui était un grand homme, un homme cultivé, qui avait de la stature, et qui me dit Philippe, euh, vous êtes vendéen, bon, euh, ça va pas être facile. Il dit quoi Ben bah, euh, de réussir. Il dit Ah bon, pourquoi ben, Regardez la carte de la datare. Il y a une écharpe du désert, euh, il y a ben, la Lozère plus la mer. Et puis, euh, et puis euh, euh, on vous appelle à la datar, les ruraux profonds. Il y avait la Creuse, les ruraux profonds, euh, les Deux-Sèvres, nos voisins, n'étaient pas tout seuls quand même. Bon. Donc les ruraux profonds, voilà. Et donc en fait, très jeune, en allant à la chapelle des Lucs, en voyant les plaques de la chapelle silencieuse, un endroit où il ne fallait pas trop aller à l'époque, je me suis dit, moi je vais me donner une mission. J'étais tout jeune. En plus, mon père était Lorrain et ma mère était catalane. Et quand ils parlaient à table, mon père disait, ils sont un peu arriérés. Ils ont l'électricité après-guerre, nous, dans l'Est, on l'a eu avant-guerre. Et ma mère ajoutait, et en plus, il n'y a pas de soleil. Mais mon père et ma mère voulaient que leurs enfants fussent enracinés. Donc on allait à l'école à Boulogne. Je parlais patois. Euh, ce qui m'a d'ailleurs posé un problème lorsque... On m'a traîné à l'institution Richelieu puisqu'on m'a fait redoubler ma sixième et on m'a envoyé chez un pédiatre, le docteur Jariot, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui m'a examiné, parce que je ne parlais que patois et que mon professeur titulaire, monsieur l'abbé Blanchard, a appelé mes parents en disant, euh, on ne sait pas s'il si est, euh, est lent. Et le docteur Jariot m'examine. Et il dit à ma mère, paranormal, tous les organes fonctionnent. Et en fait, je faisais une espèce de, de résistance du petit paysan vendéen qui avait appris au contact de ses voisins la gouaille, la verve, la grandeur d'une civilisation en train de mourir quand j'entendais je Samuel Gilbert, mon voisin, qui disait, tiens, viens mon petit gars, on va prendre une petite poignée de feu. Ah, J'ai mis ça dans le spectacle du Puy du Fou. Toute l'écriture du spectacle du Puy du Fou, c'est mon enfance. Et donc, en fait, je suis parti dans la vie avec une idée, rendre un jour aux Vendéens leur fierté, faire en sorte qu'un jour, ils brandissent le drapeau. Il n'y en avait plus de drapeau. Pourquoi je vous dis ça euh, en prologue de mon propos Parce qu'en réalité, je suis un petit Vendéen euh, qui, très tôt, euh, a aimé d'un amour passionné sa Vendée. Et donc, je n'ai pas d'autre mérite que d'avoir restitué ce qu'on m'a donné, ce que la Vendée m'a donné ce que vous m'avez donné, vous et les plus anciens, ceux qui nous ont précédés, et qui étaient des gens admirables, et qui ont porté la Vendée dans la souffrance, parce qu'on se moquait d'eux, parce qu'ils étaient vendéens. Alors de là où ils nous regardent, ils peuvent se dire, les générations qui ont suivi ont relevé le gant. Le plus du fou, le vent des globes. C'est ici qu'est né le vent des globes. Ici à 100 mètres. Je vais vous raconter comment Je ne l'ai jamais raconté. Le Crédit Agricole m'avait demandé en 1984 de partir à Rio avec une équipe de cinéastes pour couvrir la dernière étape du box challenge où Philippe Jeanteau tenait la corde. C'était mon premier film. J'ai eu beau leur dire, mais je ne suis pas cinéaste, ils m'ont dit, pas de problème. J'arrive à Rio, je fais connaissance de Philippe Gentot, on se lie d'amitié, et puis je lui dis, évidemment, quand tu vas gagner le Box Challenge, euh, il faut que tu reviennes en Vendée, bien que tu sois breton, on te fera un accueil triomphal. À l'époque, je m'occupais d'Alouette avec Bertrand, avec Laurent. On a décidé de transplanter le Cénébus, qui était un engin de spectacle tout à fait extraordinaire et qui a été d'ailleurs mon plus grand échec. Et, et là, on projette devant des milliers de sablés, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, certains d'entre vous s'en souviennent le film qui s'appelait Le Grand Sillon, qui a été sans doute un des plus grands fours du cinéma français. Et Philippe gentot. Euh, on boit une bière et là je lui dis, maintenant tu restes en Vendée. La Vendée t'a adopté, elle t'a accueilli. Il me dit, d'accord. Il cherche une maison, il trouve une maison à Grosbreuil. Et on y là tous les deux, on prend un pot et il me dit, tu sais, je t'ai déjà dit à Rio, j'ai une idée. Je dis quoi, c'est quoi ton idée Il me dit, le box challenge, mais sans escale. Parce que le box challenge, il y a des escales. Tu es venu me chercher à Rio. Sans escale. Je dis, écoute, euh, tu parles à un gars. Moi, dans ma vie, j'ai fait un radeau sur la Boulogne. Il me dit, fais-moi confiance. Je dis, d'accord, ok. Et là, on met au point une stratégie convaincre la Vendée euh, de faire le Globe Challenge. Et on se revoit ici même au sable quelques semaines après, parce qu'il me dit, Philippe, euh, euh, on n'a pas le budget. Quand je deviens président du Conseil général, je le convoque à mon bureau. Et je lui dis, bon, Philippe, euh, combien il te manque Il me dit, il faudrait encore temps, etc. Bon. Il me dit, bon, ok. Euh, moi, je mets l'argent et tu, tu, tu balances Globe. Euh, tu balances Challenge, pardon. Elle me dit, ah, c'est trop tard. C'est pour ça que vous vous souvenez peut-être, on a traîné... vend des globes Challenge. En fait, c'est parce que c'était Globe Challenge plus Vendée. Donc moi, je lui dis, on rajoute Vendée, on paye, on devient le sponsor principal, et tu ôtes Challenge. Et on a mis des années, des années à faire comprendre qu'il fallait ôter Challenge. Tous les journalistes disaient, Vendée Globe Challenge, c'était beaucoup trop long. Nous, on voulait Vendée Globe. On espérait qu'un jour, les skippers diraient, le Vendée, c'est fait. Voilà comment est né le Vendée Globe. Et en fait, le Vendée Globe, dans ma tête, je vous en fais la confidence, c'était l'idée de, de de mettre sur les, de faire flotter sur les voiles le double cœur, c'est-à-dire le, 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 le logo de la Vendée. Et un jour, avant qu'il ne meure, j'ai dit à Louis Claude Roux Tu vois, la montée en puissance du Puy-du-Fou, plus le vent des Globes, tu vas voir qu'on va changer d'image. Tu vas voir. Pourquoi Parce que c'est complémentaire. C'est comme les Japonais qui tiennent. Les deux maillons, euh, les racines, le futur, c'est les racines et les ailes, c'est le patrimoine, le plus du fou, et la mer, la conquête, l'ouverture au monde. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que je dis dans cette salle où j'ai présenté souvent, de, tous les quatre ans, les skippers du Vendée Globe, je dis nous pouvons être fiers d'avoir fait ce que nous avons fait tous ensemble parce que. Aujourd'hui, les petits Vendéens, quand ils disent ⁇ oui, je suis Vendéen ⁇ on ne dit plus oh ⁇ oh on dit ⁇ ha Alors, je vais vous raconter une histoire. Et vu que vous êtes à Jean... Ça va gargouiller dans trois heures. Non, j'essaierai d'être bref. Et je vais vous raconter une histoire que beaucoup de Vendéens n'ont jamais euh, entendue et ne connaissent pas. C'est une histoire, comme on dit dans les milieux du spectacle, improbable. Une histoire incroyable, c'est une belle histoire. C'est une histoire qui dure depuis 40 ans. Et dont on sent, dont on pressent aujourd'hui que les pages à venir sont plus belles encore que les pages dont je vais vous parler maintenant. Alors, comment est né le Puy du fou Puy du fou, ça veut dire podium foggy. Puis, c'est le sommet. Fou, foggy. Le sommet des êtres. Il devait y avoir des êtres. Il en reste quelques-uns. Comment est né le Puy du Fou Le Puy du Fou n'est pas né d'un lieu. Il est né d'un rêve. Qui a trouvé son lieu. Le Puy du Fou est né à la confluence de deux urgences intimes. La première, c'est un devoir. De reconnaissance pour une enfance heureuse. J'étais un petit gars qui courait la campagne et cueillait, sans le savoir, des fleurs de civilisation. Chaque matin, mon tête à mes persiennes, à la macarrière, dans la maison louée par mes parents, dans la petite commune de Boulogne. Juste au-dessus de la rivière La Boulogne, petite rivière métaphysique rougie du sang des Vendéens en 1794, chaque matin j'entendais trois mélodies qui réveillaient le bourg et les fermes. Le coq, l'enclume, l'angélus. Le coq qui donne le signal du jour qui se lève. L'Angélus qui invite à la première prière du matin, à la première inclinaison devant la nature qui s'ébroue, et le Forgeron qui scande la nécessité du travail des hommes. Ces trois mélodies composaient pour moi, dans mon cœur, sans le savoir, une sorte de symphonie. Et puis un peu plus tard, j'ai vu les chardonnerets qui disparaissaient, les cerisiers qui tombaient, puis les arbres centenaires. On nous expliquait, c'est le progrès. C'était du temps où l'Europe, le plan Manschult et la profession agricole la FNSEA expliquait que le productivisme allait permettre enfin aux paysans de vivre dignement. Mais moi, je sentais, petit garçon, que le fait de couper les arbres pour vivre dignement relève de l'indignité. Il y avait des petites mares à grenouilles. Je me souviens, mon voisin... Euh, qui s'appelait Gabi, il avait une brouette, il venait pêcher les grenouilles, il mettait la brouette derrière lui et quand il arrivait chez lui, il n'y avait plus aucune grenouille. C'est un peu l'Europe d'aujourd'hui. <laughs> Mais il n'y avait plus de mar, il n'y avait plus de grenouilles. Et en même temps, il y avait le mois de Marie, il y avait la fête de Dieu, il y avait des processions, il y avait une gaieté, il y avait la kermesse, il y avait la fête de la clique. Euh, en fait, le Puy du Fou a été pour moi le moyen ultime de retenir l'enfance un moyen désespéré de retenir l'enfance je voulais quand j'ai eu dix-huit ans payer ma dette pour une enfance heureuse. j'avais conscience de m'être endetté à vie sur mon petit vélo. et donc payer ma dette ça voulait dire me désendetter payer ma dette en nature en lumière. Payer ma dette à mon papa, à ma maman, qui nous ont tout appris, et d'abord l'amour de la Vendée et l'amour de la France, qui nous ont appris que l'histoire est tragique, parce qu'ils l'avaient vécu, parce qu'ils avaient vécu les guerres, les privations, les épreuves, l'injustice. Et puis tous ces personnages de mon panthéon, auxquels devant vous ce soir, au sable, je rends hommage, c'était des gens simples. Il y avait le, le paysan Samuel Gisbert, mon voisin. Mon voisin. Il m'emmenait au champ, derrière le Brabant. Je voyais le sillon courbe qui était appelé à devenir droit le soir quand. Les travaux étaient finis. En fait, il redécouvrait, sans que je le sache, l'esthétique du Parthénon avec les colonnes évasées. Samuel Gilbert, qui était un savant illettré, il prenait euh, devant moi une poignée de terre fraîche. Il la sentait. Il me regardait, il souriait, il me disait, tu vois, elle respire. Comme si c'était l'haleine d'une personne. Il la soupèse et il me dit, elle est moins offrande que celle du voisin, mais elle est vivante. Un paysan. On allait un peu plus loin et là, il me dit, tu vois, là, ce chant, il s'appelle le chant de la braille. Le chant de la braille. Ça a braillé, ça a braillé. Ah, les petits gars, ils ont braillé. Je comprends qu'il y a eu un massacre qui est là inscrit dans le nom immémorial. mémorial. Et puis il y avait le garde champêtre Raymond Martin, un sage toujours sur son vélo avec sa casquette, avec son sac. J'ai jamais vu ce qu'il y avait dans le sac. Mais il m'a appris à braconner les taupes. Et ça, ça m'a beaucoup servi. Et puis il y avait. Et puis il y avait le cantonnier, Olivier Pro. Chaque matin, il venait, il frappait au carreau. Ma mère lui donnait euh, un verre d'eau-de-vie à 8 heures du matin. Et il repartait à son ouvrage de serpe. Il attendait de me voir passer. Et là, il me disait Ah, mon petit gars. Il levait son verre. Parce qu'il le buvait avec religiosité. Et là il me dit, tu vois, le curé là-bas, il t'apprendra le Nouveau Testament, mais moi, je t'apprendrai l'Ancien. <laughs> il me dit, pourquoi ça Parce que il lève son verre, puis il me dit, je suis le descendant de Noé. Noé s'est pris un déluge, puis après, il s'est pris une cuite. Mais comme m'a dit un jour le curé Zénob, ben, quand tu te prends un déluge, que tu te prends une cuite, c'est la première ivresse mystique. Voilà. C'était des personnages, c'était des gens cultivés. Ils avaient la culture de la terre. Ils avaient la culture de toute l'humanité. Ils avaient quelque chose en eux qui, était, euh, qui portait le chemin de l'universel. Alors la première urgence, c'était de leur dire merci. Mais il y avait une deuxième urgence sans laquelle la première n'aurait pas euh, connu la lumière. La deuxième urgence, c'est un devoir de réparation. Un devoir de réparation pour l'injustice commise à l'égard de la Vendée. 300 000 martyrs qui n'ont jamais été ensépulturés, comme on disait à l'époque. 300 000 martyrs qui ont été livrés aux ardeurs du soleil et des corbeaux. Et puis cette victoire posthume de Robespierre que dès l'âge de 15 ans je n'ai pas acceptée. Robespierre oh, qui dit Il faudra que dans la suite des temps, les Vendéens soient considérés par l'histoire comme responsables du mal que nous leur faisons. C'est Solzhenitsyn qui, en 1993, lorsqu'il vient en Vendée, décrypte cette phrase et m'explique Vous savez, Philippe, c'est l'inversion de la charge de la honte, c'est le processus révolutionnaire typique. On fait porter sur la victime le statut du bourreau. Et donc, on lui interdit deux fois de protester. Il est mort et bien mort. Il n'y a pas de marque, même pas une petite croix de bois. J'ai connu ça en Russie, à Tambov, avec les paysans de Tambov. Mais en plus de ça, sa famille, les survivants, sont tenus au silence parce qu'ils sont dans la honte. Et là, je retrouve mes copains de l'école prostrés qui baissent la tête. Quand on prononce le mot Vendée, c'est une honte. La Vendée est une honte. Ah, la Vendée est une honte. Et quand mon père, juste après le bac, me dit Qu'est-ce que tu vas faire, Philippe Rien. Je m'en fous. Non, mais ce n'est pas une réponse. Il faut faire des études. Tu as bien une idée de métier. Non. Je m'en fous. Mais qu'est-ce que tu veux faire toi qui es si actif pourtant Un hymne. Mais un hymne c'est pas un métier. Non, c'est une vie. Un hymne Oui, un hymne à la Vendée. Un hymne à la Vendée pour réhabiliter les petits martyrs qui tendaient les doigts gourds en tremblant et qui disaient, je les entends partout dans le champ de la braille, papa, sommes-nous morts pour rien Alors mon père allait voir ma mère et disait, le cas est grave, il faut le traiter avec soin. Et il est revenu me voir. Et il m'a dit, Philippe, parce que toi, j'ai réfléchi, c'est une bonne idée. Mais le problème, c'est que la Vendée, on est dans un pays de gérontocratie, donc tu es jeune, trop jeune. Il faut que tu aies de la bouteille, donc tu fasses des études pour ça. Et puis ensuite, on est dans un pays, il n'y a pas de diplôme. Si tu vieillis, tu vas à Paris, tu vieillis, tu vois, et tu ramènes des peaux d'âne, genre science Po à mon avis, les Vendéens, ils t'écouteront. Tu auras du crédit. Je te le dis, j'ai l'expérience. Je dis, mais papa, j'adorais mon père, j'adorais mon père, j'adorais ma mère. Je, ils étaient tout pour moi. Et, je dis, mais papa, je n'irai jamais contre toi. Donc tu, tu, à ce moment-là, on fait un pacte. Tu, tu me laisseras faire. Ah oui. Ah oui, si tu, si tu fais l'ENA, euh, quand même. Il bon. dit, ouais, mais il y a un problème, c'est que qu'est-ce qu qu'ils vont dire mes copains du foot Parce que j'étais capitaine de l'étoile sportive de Boulogne. Ah, c'est pas la peine de rire. Hein. Moi, j'avais un rêve, un seul, d'aller à Paris gagner la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, mais ce rêve... <laughs> en fait, j'avais un autre rêve, c'était de jouer un jour contre Raymond Coppa, et ça m'est arrivé à La Roche-sur-Yon. Et un jour, Daniel Fert, que j'aperçois, directeur des ressources humaines depuis du Puy-du-Fou, monte dans une salle où on était avec des personnalités, il me dit à l'oreille, il me dit, en bas, il y a Raymond Coppa, oh putain. <laughs> voilà. Bon, passion du foot. Et vous savez ce qu'ils ont fait, mes copains Ils sont cotisés pour me payer une carte d'abonnement SNCF. Voilà. Et je venais faire mes matchs et j'étais à Sciences Po. Je reviens à mon fil, conducteur. Puisque je vous ai parlé de deux urgences, un devoir de gratitude, de reconnaissance pour une enfance heureuse, une enfance donc heureuse, c'est-à-dire tri triomphale, processionnelle, pastorale, et la deuxième urgence, donc un devoir de réparation, réparation de l'injustice. Pour cette autre Vendée, qui n'est plus la Vendée festive, mais la Vendée silencieuse, la Vendée douloureuse, la Vendée euh, marquée du sceau d'une souffrance indicible interdite de récits officiels, Vendée aux lèvres closes, scellées d'un signe de croix. Et donc je me dis, mais ce n'est pas seulement un hymne qu'il faut faire, c'est aussi un requiem. Alors, quand je faisais mes études à, mes études à Paris, à Sciences Po, avec l'idée d'entrer à l'ENA pour pouvoir faire mon hymne et mon requiem, je pensais déjà à mon hymne, à mon requiem. Et les mots flottaient en moi. Et le soir même où mon épouse est allée voir les résultats, elle est par là, elle m'appelle et elle me dit, t'es reçu. Je suis reçu à l'ENA. Et moi, mon réflexe, normalement, un mec qui est reçu à l'ENA, il dit inspection des finances, euh, cours des comptes. Euh, le mec, il va dans les corps de contrôle. Hein. L'action, c'est pour les autres. Hein. Et, <laughs> et, là, moi, je, et là, moi, je me dis. Et je lui dis à ma femme, allez on rentre en Vendée. Es demain matin, on rentre et j'arrive devant mon père et je lui dis, papa, le pacte, Il dit quoi Bah le pacte. Tu m'as dit si tu fais sciences po, ou Léna, je te fous la paix pour ton hymne. C'est fait. Il me dit bon bah d'accord, oui d'accord. Mais euh, tu vas quand même continuer. Ah oui, mais de toute façon, maintenant, ils peuvent plus me virer. En plus, euh, moi, j'ai envie de me, me protéger. Il me dit, pourquoi Il me dit, bah, parce que c'est une école, c'est un laminoir sémantique. Tu rentres avec 300 mots, tu sors avec 30 mots. Hein. <laughs> ouais. Et même physiquement, regardez Fabius Juppé. Ils ont été démoulés le même jour. Et donc euh, voilà. Et je dis à mon père, est-ce que tu peux me prêter euh, à l'époque mille euh, francs? Et euh, il me dit pourquoi Il me dit parce que c'est pour m'acheter une 4L d'occasion chez Gilbertin, le garagiste de Boulogne. Il a une 4L en vente, il n'y a plus de plancher, mais bon. Et mon père, il me dit euh, Ouais, je te prête 1000 francs, mais. Alors, contrairement au Fillon, chez, chez Villiers, quand on prête, on donne, en fait, aux enfants. On ne demande pas. Bon. Et euh, donc. Il me prête 1000 francs. Enfin, il me donne 1000 francs. Et là, j'ai ma quatrelle, j'ai ma quatrelle, et l'histoire commence. n'est pas du tout celle que vous croyez. Je tourne en Vendée, je vais de château en château, mais à chaque fois, ça ne me plaît pas. Je m'arrête quand même aux Essarts. Château des Essarts, parce que c'est une belle ruine, etc. Mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'étang, rien. Bon, je suis avec mon frère Bertrand, il prend les photos. Et puis, euh, je, je passe du bas-bocage au haut-bocage. Et euh, j'avais lu un, un articulé sur la vente du château du Puy-du-Fou au département. Donc j'ai dit, tiens, je vais peut-être aller voir ce truc. Et j'arrive à saint marc la réhorte Et là, je tombe en panne. D'essence. Donc je pousse sa voiture tout près du garage et il y a le garagiste qui m'accueille qui dit Vous êtes en panne d'essence Oui. Bon. Hop. Comme on dit maintenant, je fais de l'essence. Et euh, pendant qu'il euh, remplit le réservoir, je lui dis euh, Je cherche un, un, un lieu dit Le puits du fou. Et là, il me dit, euh, alors là, euh, le puits du fou, euh, où est-ce que ça peut être Il sait pas. On est à 2 km à vol d'oiseau. Il appelle sa femme, Janine, et lui dit, Janine, le puits du fou, il dit, bah, tu sais, là-bas, il faut prendre la première, là, la, la côte, c'est à la côte du fossé. Et finalement, j'arrive, je prends la côte du fossé, j'arrive au puits du fou. Je garde ma, ma quatre devant le Porsche et là je tombe sur le gardien qui s'appelle Gustave Vincentot qui m'accueille très mal. Il euh, y a son jardin, il y a, dans la cour il y a des poules, des dindons, c'est une basse cour et il me dit hey, qui dit je viens pour un, un spectacle. Un pestac, un pestacle, mais il n'y a, a pas de pestac ici. Il, il, il dit, mais d'après qu'il y a un étang. Il dit, oui, il y a un étang de l'autre côté. Oui, oui. Mais euh, je peux y aller oui. Ah ben, vas-y, certainement, certainement, Ouais. Tu as enjambé les ronces puis les vipères. Ben, hein. Il n'y a personne qui va là-bas, personne. Il y a 9 mètres de profondeur, l'étang. Et oui. là-bas, il y a des, des vaches, bon, au moins deux siècles il dit, mais vous ne pouvez pas me prêter vos bottes. Il dit, d'abord, on n'a pas la même pointure. Et là-dessus, il y a Bernadette qui arrive, sa femme, et euh, qui lui dit, mais tu vois bah, qu'il est gentil, ce petit gars, mais quoi mais Il ne fait pas de mal. Bon, il veut faire un pestac, un pestac. Ben voilà, il va faire son pestac. Hein de jour ou de nuit De nuit. ah oh, putain En oh, plus, il va nous réveiller Et finalement, Gustave me prête ses bottes. Là, je pars, j'ai les, les pieds comme ça en arrière. Parce qu'ils sont du 36. Et moi, du 44. J'enjambe les ronces et les vipères, je m'installe de l'autre côté. Et là, en fait, il y avait trois petits sapins, des herbes hautes. Et il m'est arrivé un truc. Pour ceux qui connaissent le du Fou, ils comprendront ce que je vais dire. Les vaches, il y avait trois vaches dans un coin et il y avait un corbeau, c'est tout. Un silence sépulcral. Je vois la ruine, euh, je la sens humaine, et qui me dit quelque chose, qui me dit euh, Je saigne encore. Et les corbeaux qui, qui descendent, qui repartent comme s'ils allaient chercher des derniers lambeaux de chair humaine. Et puis, euh, euh, cette ruine abandonnée des hommes, entrailles ouvertes. Et je me dis, mais pourvu que cette ruine, ce soit Turo. Puis je regarde sur le côté et je vois les vaches. Il n'y a pas une qui bronche elles s'en foutent. Et quand vous êtes au moment où il y a de la tension artistique, où vous vous dites, j'ai en moi quelque chose de grand, de fort, qui va déplacer le monde, et que vous voyez les trois vaches, c'est-à-dire la seule présence vivante, les corbeaux qui s'en foutent et les vaches qui ne me regardent pas. Bon. Ça me marque en l'instant. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Je reviens, je rends mes bottes, je repars chez moi, je vais voir mon père, et je lui dis j'ai trouvé mon lieu. Et mon père me dit mais t'as ton scénario et Je lui dis euh, ouais. Oui, charrette. Euh, ah non, non non. Non, fais pas ça. Oh là là. Non, fais. Euh, essaye de trouver euh, Jacou le Croquant. Il y avait à l'époque Stelio Lorenzi, Jacques Croquant. Donc je repars chez moi, je dis à mon épouse, t'as pas le crétino joli en six volumes dit, si, si, j'avais mis ça de côté, etc. J'ouvre un volume, et qu'est-ce que je vois Il a tenu à être dessiné les armes à la main, il était garde au puits du fou, il s'appelle Jacques Maupillier, blessé sept fois au combat, avec son chapeau à balai. Je retourne vers mon père, je dis... « Papa, Jacques Maupillier !» Et lui, mon père, il se moque de moi, il fait « Maupillier de France <laughs> !» Ça s'est passé comme ça, voilà. Et là, et là, je refais de l'essence. Je repars au puy fou le lendemain. C'était en juillet 1977. J'avais mon lieu... Les ruines, incroyables. Ah oui, le gardien, je le vois, je lui dis, c'est pourquoi c'est en ruine Il dit, oh bon alors, oh bon alors, nous, on arrivait bien après. D'après que c'est Turo. Ah, vous êtes sûr D'après. L'incendie et tout. Toutes les fermes. puis Bon, très bien. Bon, je me dis, les ruines, Turo, euh, c'est silencieux, il n'y a pas de parasites. Je refais les bottes, je m'assois, et là, en fait, je commence à, me, à faire de l'autodérision. Et je me dis, je suis là dans mon public en herbe. Vous avez des, des herbes hautes, oui. Et puis, quand on n'a rien, qu'on n'est rien, qu'on n'a pas de curriculum vitae, mais qu'on est... On euh, ne sait pas... Sous les, la, la différence entre euh, la folie et la clairvoyance... La clairvoyance, c'est une folie qui a réussi. La folie, la folie c'est une clairvoyance qui a échoué. Donc, on ne sait pas à ce moment-là, vous voyez On est à la bascule. Donc, je voyais que ma famille s'inquiétait à la manière de me servir en disant, ah, il est un peu bon, voilà, ça va, ça va, ton, ton scénario. Oui, ça va. Bon. Et là, et là qu'est-ce qui se passe eh ben, tout change parce que les vaches, en fait, elles me regardent. Et là, je dis ça, c'est un signe. Et, et en fait, j'étais hyper conscient, j'étais lucide. Bon, mais en même temps, je me dis, de toute façon, je vais le faire. De toute façon, je, voilà, je vais faire mon hymne et mon requiem. Euh, bon, récapitulons. j'ai rien. Toutes les conditions sont réunies pour l'échec. Tout. Il n'y a pas de route. On est aux épaisses. Alors le nom, un jour, quand je suis allé voir Jean-Pierre, je lui ai dit, il me dit c'est où dit, Les épaisses. Il me dit, tu as la thérapie pour petite vieille, non <laughs> J'espère qu'il n'y a pas de spicéens dans la salle. Mais ben voilà, c'est la vie. Hein. Bon, voilà. Bon. Donc, ce n'était pas facile. Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de troupe, je n'avais pas de soutien, je pas de technicien, euh, je n'avais pas de curriculum vitae. Parce que quand j'ai dit, il me dit, Gustave, dans la vie, il était où Aux écoles Je oui. École <laughs> dis oui. Léna dit, l'école nationale d'agriculture dit non. dit, l'école nationale artistique dit, non, non plus. L'école nationale d'administration, il dit, oh l'administration, oh le bon. Bref, donc j'avais tout contre moi. Et je me dis, récapitulons, il y a quelque chose que j'ai et qu'on ne pourra pas me voler. Et je sors et c'est mon stylo. Et je me dis, si avec ça, je réussis à faire ça, vive le mélodrame où Margot a pleuré. Si avec mon stylo, j'ai réussi à émouvoir... Mon spectateur, quand bien même je n'aurai pas de lumière, quand bien même je n'aurai pas de son, quand bien même je n'aurai pas les voix que je convoite, j'aurai les mots, le théâtre, c'est le verbe, le verbe dans la nuit. Les voix dans la nuit de la gravité française. Et je commençais à écrire. Je suis le marchand de quenouilles. J'arrive je vois mon père, je dis, Je suis le marchand de quenouilles. Il me dit Je ne comprends rien. <rire> <rire> Mais papa, c'est la musique des mots. Voilà. Aujourd'hui, je suis le marchand de quenouilles. Voilà. Et, et là, je me dis Je veux euh, Noiré, je veux Delru pour la musique, Lily Laskin à l'arpe, jean pierre Suzanne Flon, toute la comédie française. Je les ai eus. Et je les ai eus gratuitement. Ça devait se voir que j'avais le feu sacré. Et puis, je suis arrivé aux épaisses, au foyer rural. Ça n'a pas été simple. Puis, dans les communes, on faisait des tournées de communes avec ce qu'on appelait le comité de lancement. On a convaincu des petites grappes de volontaires. Et puis, euh, doucement, on est arrivé à la première. Le 16 juin 1978, les pionniers. Les 200 pionniers sont devenus 1000. Ils étaient admirables parce qu'en fait, ils m'ont suivi sur la foi de mon pari. Ils me faisaient confiance. Et moi, je leur disais, les gars, vous verrez, ne riez pas. Un jour, le monde entier viendra ici, sur cette petite colline dont on dira qu'elle est inspirée. Personne ne rira plus du mot puits du fou. Peut-être on parlera encore du puits du fou qu'on ne parlera plus du puits d'enfer. Ah, C'était pour voir si vous vous suiviez encore. Et puis, euh, puis voilà, la première arrive. 16 juin 78, la malédiction. Il est 3h du matin. J'entends la pluie. J'ouvre les volets. Il pleut des cordes de plomb. Euh, à 6h30, je prends ma 4L, je vais dans la cour du château. Je sais que Gustave se lève tôt. Il est dans sa cuisine. Et je lui dis, Gustave, il me dit, oui, j'ai compris, j'ai compris ta question. Il fait craquer ses genoux. Il me dit... Mm, mm. Euh, ce soir à 10h, ça doit être bon. Et puis, euh, le temps passe. À 10h moins un quart, il pleut encore. Ça s'annonce mal. D'autant plus que la tribune, on, on l'a. Récupérée à Mouilleron-en-Parais. Elle nous a été prêtée par M. le maire de Mouilleron-en-Parais. C'est une tribune, en fait, qui a été fabriquée pour les banquets au retour de Georges Clemenceau. Donc, c'est du bois euh, spongieux. Quand c'est l'été, il n'y a pas de problème. Mais quand il pleut, ça fait effet d'une éponge. Et alors, il y avait 2000 places, c'était que 2000 invités. Le premier soir, on ne fait payer personne. Les 2000 invités arrivent, et je les vois qui s'assoient, hop, ils se relèvent. D'ailleurs, je dois reconnaître que les femmes sont beaucoup plus polies que les hommes. Les femmes s'assoient et elles font ça. Ça remonte, ça remonte, mais bon, on changera de culotte en arrivant. Mais alors, les, les manteaux de Loden, parce que c'était que des manteaux de Loden, c'était des notables. Un notable, j'ai toujours remarqué ça, ça n'aime pas, faute de l'avoir propre, ça n'aime pas avoir le cul trempé. Et alors, oh là, il y a un notable qui s'en va. Ah non, ça va. Et, euh, et donc, en fait, il rebiquait l'Oden, il, il s'asseyait, oh, hop, il se relève. Et en fait, la tribune se remplissait et se vidait. Si bien que, ben on se disait, on va commencer devant une tribune vide. Et alors, ce qui nous a sauvés, c'est qu'il repartait. Donc, il, il, le gars, il emmène la bonne femme. Ils repartent vers le parking, et au parking, il y a des gars de chez nous qui disent « Ah non, impossible, vous êtes enlisé. <laughs> et et, et du, du coup, ils sont obligés de revenir. Et puis, à, à 11h, quand le spectacle démarre, incroyable, euh, euh, les étoiles. Les étoiles. Et à la fin du spectacle, tout le monde est debout, et vous me croyez, vous me croirez si vous voulez il euh, y avait une telle chaleur humaine, une telle chaleur d'intensité artistique, ils étaient secs les mecs. Ils avaient le cul sec et le regard humide. Donc, succès. Voilà. Le lendemain, le problème du lendemain, c'est il n'y avait plus que 500 personnes parce qu'il n'y avait pas de réservation, etc. Le vendredi d'après, plus que 300. Le samedi, 200. Et là... Et là, je sens une pression autour de moi. Et je sens mes amis qui me disent Bon, ben, ça arrive à tout le monde de se planter. Et moi, je me dis Mais pourtant, c'est bien mon texte, la musique, tout ça. Ce spectacle, il est beau. C'est un, un vrai requiem. C'est une symphonie. Et puis, petit à petit, petit à petit, les gens sont venus. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Et puis. La dernière soirée, 2000 places assises, 6000 spectateurs. Et c'est parti. 6 000 spectateurs, l'ovation. L'année d'après on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait On loue le matériel ou on achète. Allez, bon, on loue encore une fois. Le problème, le problème, c'est que moi, entre temps, je sors de l'ENA. C'est-à-dire a garnison. La première a lieu le 16 juin, le 18 juin je suis à Paris. Et en fait, il faut que je choisisse. J'avais une très très bonne note de stage parce que j'avais fait mon stage en Corrèze avec Jacques Chirac. Et il m'aimait bien. Et il m'avait eu 5 ⁇ parce que en fait il y avait l'affaire de la paille, je vais ramasser la paille, tout ça. Bon. Enfin, J'étais un stagiaire de l'ENA qui, qui lui plaisait bien. Et donc, euh, grâce à lui, j'avais 5 ⁇ c'est-à-dire qu'en fait, j'étais majeur à la fin de mon stage. Et donc, je savais que même si je ne faisais plus rien, je ne pouvais pas tomber en dessous de la 30e place. Donc, j'ai rendu copie blanche. J'étais 30e, et là, on me dit, qu'est-ce que vous choisissez Je dis, bah, moi, sous-préfet. Je me dis, sous-préfet, en province, ça sera mieux pour moi. C'est peut-être l'endroit où on a le moins à obéir, tout compte fait. Vous voyez, ce soir, je vous dis tout. Hein. Et puis finalement, euh, euh, ben je choisis la préfectorale et je me retrouve dans un poste incroyable de première classe, euh, sous-préfet, euh, directeur de cabinet du préfet de La Rochelle. Chouette, c'est tout prêt. Donc en fait, sans prévenir le préfet, je viens, je vais, etc. Mes amis viennent me voir à La Rochelle, etc. Ça se passe très bien pour préparer l'année 79. Et là il y a un incident. le préfet me convoque dans son bureau et il me dit euh, Villiers euh, il me balance une revue qui s'appelle la revue vie publique c'est une revue très lue dans l'administration je ne sais pas si ça existe encore mais ça fait autorité à l'époque tout sous-préfet, tout administrateur civil rêve d'avoir sa, sa, la une quoi et il y a une une et il me dit, vous, vous reconnaissez la une Je dis, euh, oui. La une, c'est un, un mec qui crache le feu. Petit retour en arrière. Quand je fais les répétitions en 1978, mai-juin, mon père m'avait dit, tu sais, de l'âtre, mon chef m'a toujours dit, un chef ne donne jamais un ordre qu'il ne soit capable d'exécuter lui-même. Donc, tout ce que tu as mis dans ton scénario, tu mets jongleur, tu as intérêt à apprendre à jongler, parce que si un mec qui, qui te dit, moi, je veux pas jongler, tu peux pas laisser faire ça. Si tu veux aller mettre des drapeaux en haut, bah, tu les mettre toi-même. Des sacs de son pour la trancher, il faut être capable de le faire toi-même. Et je retiens cette leçon, et quand je dis, alors, cracheur de feu Candidat Personne. OK. Une fois, deux fois, troisième répétition, je me dis, OK, d'accord. À Paris, j'avais repéré derrière Beaubourg, derrière l'usine pétrochimique, un cracheur de feu. Mais un cracheur de feu, mais alors euh, incroyable, euh, euh, torse nu, euh, à côté le, le, le petit gars de Saint-Martin, euh, euh, zéro, hein. beaucoup plus fort que lui, bodybuilder, poilu, il crachait, euh, mais c'était hallucinant. Je vais le voir. Je lui donne un billet de 100 balles et je lui dis ce que tu peux m'apprendre à cracher le feu Il me dit Attends que tout le monde soit parti. Quand tout le monde est parti, je pose ma cartable, je, mon cartable, j'arrivais de l'air. Et il me dit D'abord avec de l'eau, il me fait boire de l'eau, il me fait vaporiser et il dit Oh, tu as des aptitudes, petit. Parce que c'est comme la flûte traversière, ça, hein, ça ne prend pas. Hein. Et puis au cardan, etc., j'arrive à faire des flammes de 2 mètres, ce qui pour euh, un débutant est euh, tout à fait honnête. Je reviens au Puy du Fou, répétition. Et je dis alors, cracheur de feu, je rassemble tout le monde, et là, je crache le feu. Et là, à partir de ce moment-là, le match est plié, parce que tout le monde me suit et se dit, OK, c'est sérieux. Et un jour, pendant le spectacle, un soir, je me dis, allez, je vais faire le cracheur de feu ce soir, ça m'amuse. Je fais le cracheur de feu, il y a un connard <laughs> qui prend la photo, qui l'envoie à vie publique. Et le préfet Maurice Tess, qui était un peu légèrement caractériel, il regarde la photo, il voit, vous imaginez, et il a marqué le sous-préfet crachant de feu. Donc l'identification est. Euh... Et là, il trépigne, il se lève, il se rassoit, il trépigne, et il me regarde et il me dit Mais moi, je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est aller à Paris. Pour demander parce que mais Villiers vous êtes grillé. Mais la suite est pire que ça. La suite est grandiose parce que il va se plaindre auprès de Pandro, le, le directeur général de l'administration. Que fait le directeur général d'administration Il rencontre au premier ministre de l'époque, qui rencontre au président. Et quand le président Giscard d'Estaing apprend qu'il y a un sous-préfet cracheur de feu, pour des raisons que vous allez comprendre dans un instant, il dit Je veux le voir. Je suis donc convoqué à l'Elysée, et à l'Elysée, je me retrouve. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Hein, moi, je me suis dit, allez compte. Bon. Je me retrouve entre le, 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 le roi et le dauphin. Il avait fait venir son fils Henri, Henri conseiller général de Marche Noire. Et en gros, je comprends très vite. Moi, je suis au milieu des deux. Et, et là, Giscard déplie les jambes, replie, puis il me dit, alors, je suis sous-préfet, on me dit que vous êtes cracheur de feu. Oui, monsieur le Président. Vous crachez souvent. Pas assez souvent, je le souhaiterais, monsieur le Président. Et là, il m'explique en gros, bon, écoutez, je vous nomme sous-préfet de Vendôme. C'est un poste de première classe. Vous vous occupez de mon fils pour le faire élire député. Et je vous fous la paix tous les vendredis midi où vous partez chez vous. J'ai donné des consignes à M. Hardy, le préfet. Il vous fout la paix, Il vous ce que vous voulez. Simplement, euh, je vous donne une mission, mon fils, député. Et moi, je quitte l'Élysée et je me dis, Putain, je suis rentré cracheur de feu, je sors montreur d'ours. Ça s'est très très bien passé. J'ai dit à mes copains voilà, je serai là à partir du vendredi midi, je suis tranquille. Il y avait l'hélico blanc qui se posait parce que j'ai oublié de vous dire on était dans la Giscardie, à Auton la sous-préfecture de Vendôme, et à côté d'Auton donc, je voyais l'hélicoptère qui, qui passait, moi je faisais <laughs> salut, je m'embarque. Voilà. Et le préfet avait des ordres, il m'aimait bien le préfet, et j'ai tout fait pour faire élire le fils. Mais entre-temps, le président a été battu. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de prendre la poutre poudre d'escampette. Parce que j'ai compris à ce moment-là que j'avais un problème avec la discipline. Voilà. Euh, difficile d'obéir. Voilà. Et euh, puis, puis l'œuvre du Puy du Fou grandissait, et puis euh, je me suis dit, tiens, je vais me mettre à mon compte, euh, conseiller juridique, pourquoi, etc. Et je suis parti. Et d'ailleurs, le président Mitterrand ne m'en a pas du tout voulu, parce qu'après, on, euh, on est devenus très amis, il m'aimait beaucoup, parce qu'il me disait, vous m'appelez moi quand j'étais jeune. Bon. À l'époque, il était de droite. <laughs> Et puis en 1986, entre-temps on a créé Alouette, la Fondation pour les Arts et les Sciences de la Communication, etc. Ardeur et ferveur sens créative. 1986, euh, je suis nommé par Chirac, donc secrétaire d'État à la culture. Et rapidement, il me désigne pour une mission qu'il me confie l'implantation de Disney à Paris. Donc je crois que c'est un gag. Là ça va être un peu dur pour Daniel Delcourt, mais j'essaierai d'être gentil. Et... Non mais c'est une histoire drôle. Donc un jour réunion à Matignon et euh, on est quatre. Il y a euh, Chirac, le ministre d'État, Balladur, euh, Madelin ministre de l'industrie et du tourisme et moi, qui représente la culture parce que Léotard était parti courir le marathon de New York. Et là euh, j'avais prévenu Baladur en disant on pourrait quand même exiger la langue française sur le parc et puis est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour créer des parcs à la française? Parce que si Walt Disney était français... Euh, avec la, le génie qu'est le sien il aurait euh, il aurait pas pris une souris il aurait pris Jeanne d'Arc et Chirac me coupe et dit euh, non 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 les, nous la France on n'a pas les technologies je dis comment on n'a pas les technologies mais les technologies ça s'apprend et là il me rend service je, je quitte Matignon je fonce je réunis euh, mes amis et je leur dis, les gars, on va faire le parc de l'histoire de France. Euh, bon, ça flotte quand même. Pourquoi Parce que <laughs> c'est l'époque où il y a Disney qui s'implante et il y a le futuroscope. Donc les manèges d'un côté et l'image, le, le futur de l'autre. Et quand René Monori, que je connaissais bien parce qu'on était dans le même gouvernement, et c'était un ami, un jour Monori, euh, il me dit Qu'est-ce que tu veux Je dis Je veux te voir parce que j'ai un grand projet qui, qui te concerne. Lequel L'éducation artistique. Oh Il dit Tu sais, moi, euh, je suis un alphabète, autodidacte, garagiste. Il était, il était Non seulement il était garagiste, mais il avait, il avait une devise. Il dit, il dit moi avec cette devise, je suis allé très loin et c'est pas fini. Sa devise, c'était, devise de garagiste, les cieux justifient les moyeux. <laughs> et, et, et il m'a dit, moi, je, je suis analphabète et ministre de l'Éducation nationale, point. Je suis le premier, mais pas le dernier. Il y en aura d'autres. Et il me dit, non, éducation artistique, zéro, etc., etc. Il vient au Puy-du-Fou, je me souviens très bien, Daniel était là, devant le, le, le village des 8e il n'y avait que ça. Il me dit, t'as fait combien la première année Il me dit, 80 000 entrées. Ah, c'est pas mal, hein. pour l'histoire. Euh. Il dit, tu te fous de ma gueule Ah non, non, mais pour l'histoire, euh, je dis, et toi oh, ben, Nous, on va vers 3 millions, euh, mais c'est normal, le futur... Euh, <coughs> le futur, le passé... Euh, et moi, je lui dis, tu sais, la phrase de Boris Vian... La mode, c'est ce qui se démode. Puis après, je vais à la Cinécénie, Il est à côté de moi et pendant toute la cinécénie, je me dis putain, je me suis planté, je me suis planté, je me suis planté. Et on a tellement eu le sentiment qu'on se plantait qu'on mettait même plus, on mettait même pas sur les dépliants l'histoire de France. On ne pas. On sait pas parce que tout le monde nous disait vous êtes totalement ringard. Vous vous êtes planté. L'histoire, ça emmerde tout le monde. D'ailleurs, on l'enseigne plus dans les écoles. <laughs> voilà. Donc, on monte la corde lisse avec les mains. Et malgré tout, de scénario en scénario, de spectacle en spectacle, euh, le, le grand parc euh, prend de l'ampleur. En fait, on avait appris un métier que j'ai découvert le spectacle de nuit, on découvre un autre métier qui est le spectacle de jour. Beaucoup plus difficile. Parce que la nuit, il y a la magie de la nuit. Le jour, il faut remplacer la magie par la machinerie. Et on n'écrit pas un texte le jour comme la nuit. Donc, on se dit, après le rêve nocturne, le rêve diurne. On a un petit peu de difficulté. Tout simplement parce qu'on n'a pas d'argent et qu'on ne veut pas céder à la tentation de perdre notre indépendance artistique et donc notre indépendance économique. J'irai moins haut peut-être, mais tout seul, dit Cyrano. On est des petits Cyrano de Bergerac, à la Vendéenne. Donc on ira moins haut peut-être, mais tout seul. Quand on voit évidemment nos concurrents adossés soit à des grandes entreprises euh, comme Disney ou. Euh, à la Compagnie des Alpes euh, ou au Conseil général de la Vienne, évidemment, la compétition n'est pas la même. On sait qu'on ira très lentement. Mais malgré tout, euh, on réussit à faire le stadium, etc., Mousquetaire, etc. Donc, en fait, le deuxième coup d'audace du Puy-du-Fou, après la Cinécénie, Cinécénie, ça veut dire ciné-mouvement, en fait, c'était film de, de plein air en relief. Que personne d'ailleurs n'a jamais imité. Il y avait son lumière, opéra, théâtre, mais jamais l'imitation de ce qu'on a fait. Le Grand Parc de l'Histoire de France, devenu le parc du légendaire français. Troisième coup d'audace, là, la, euh, l'Académie Junior. Et là, les entrepreneurs qui sont ici me comprendront mieux que personne. Quand on est en Vendée, dans un petit coin de Vendée et qu'on grossit et qu'on grandit, on se dit comment je vais avoir des cadres qui vont venir euh, soutenir mon équipe. Comment on va changer de dimension Comment on va changer de calibre Il me faut des cadres, des ingénieurs, des techniciens supérieurs, il me faut des gens qui inventent, il faut... Mais euh, de l'extérieur, ils ne viendront pas ici. Ou alors, ils ne pourront pas s'acclimater si encore on était au sable. Il y a la mer, les dames, mais là, nous, on n'a pas la mer, donc ils ne viendront pas. Alors il n'y a qu'une solution, vu qu'on ne peut pas se déplacer, c'est de former nous-mêmes sur place euh, un creuset de jeunes prodiges. Et donc on lance l'Académie Junior en 1998, puis. On fait plus fort, on se dit maintenant on va faire comme les Chinois, on crée nos écoles. École primaire, collège, art études, c'est-à-dire art études le matin, art l'après-midi, mais à la plus c'est-à-dire uniforme, lever des couleurs, etc. Je ne sais pas ce que donnera dans 20 ans le choc. <laughs> Entre l'éducation nationale et les écoles du Puy-du-Fou, mais à mon avis, il y aura une petite différence. Et les anciens élèves de l'école du Puy-du-Fou risquent de se retrouver, comme moi, devant Routel-Crieff, qui me dit Mais vous aviez un dictionnaire Non, je dis simplement Je suis francophone. Donc, les écoles, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'avenir est assuré. Ça veut dire que déjà, 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 tous ceux qui aujourd'hui euh, ont des responsabilités au plus du fou sont passés par euh, l'académie junior. Ils sont 800 élèves, ils travaillent d'arrache-pied toute l'année. Et, euh, et maintenant, euh, une centaine d'élèves pour le collège. Derrière le collège, il y aura le lycée. Donc, une formation complète art-études comme cela se pratique dans certains collèges anglais et comme cela se pratique en Chine. Art-études, c'est-à-dire qu'en fait, on prépare nos élèves à la fois aux disciplines de la connaissance et aux disciplines de la sensibilité, les deux. Notez bien qu'un élève qui a 10 ans, au plus du fou, euh, non seulement il a art-études, mais en plus, ben, on l'emmène sur le site et il fait le petit Athanase en direct devant 2600 personnes tous les jours et à tour de rôle, ou le ballet des sapeurs. C'est-à-dire qu'ils sont acteurs à l'âge de 10 ans. Ils sont acteurs du Puy-du-Fou. Qu'est-ce que ça donnera plus tard Forcément des bonnes choses, forcément des bons fruits. Ça, c'est le troisième coup d'audace. Vu qu'on ne peut pas greffer des éléments extérieurs, faisons les choses à la puifolaise. Trouvons chez nous les futurs prodiges. Quatrième coup d'audace, la cité nocturne. Ça, c'est une idée de Laurent et de Nico. Moi, je n'étais pas trop pour parce que je dis il y a encore un métier qu'on va apprendre. Pff, hôtelier, maintenant. En fait, l'idée, c'était le rêve nocturne, le rêve diurne et le rêve étoilé. C'est-à-dire, pas des hôtels, non. Thématisation des hébergements. <laughs> Donc l'idée c'est en Antoge, euh, les îles de Cloïs sur l'eau, puis euh, le camp du Drador, puis etc etc. Donc l'idée en fait euh, c'est euh, d'avoir euh, des hébergements thématisés qui déclinent la nuit le grand parc du jour, le légendaire français, avec une architecture qui est digne des architectes des bâtiments de France, etc. Rien ne peut être reprochable sur le plan historique et sur le plan artistique. Ça, c'est le quatrième coup d'audace, la cité nocturne, tu choisis ton siècle pour dormir. Pourquoi on a fait ça C'est très simple, on est au bout du monde. On est hémiplégique. Nos voisins, c'est la Floride. Tous les gens sérieux disent, mais attendez, on ne fait pas un parc en pleine nature dans le bocage vendéen. Il faut faire ça derrière une grosse ville. Regardez les Américains. Regardez Disney à Paris. On ne fait pas ça adossé à la commune des épaisses ben Nous aussi. Voilà. Donc on se dit... Euh, on ne fera pas revenir les gens comme ça, et puis s'ils viennent de Belfort ou de Biarritz, il faut les héberger. Et comme on n'a pas la capacité d'hébergement tout autour, pas suffisante, alors euh, on leur propose un séjour en immersion. Et cette année, d'ailleurs, Laurent pourrait le dire mieux que moi, Laurent Onico, euh, c'est pratiquement la moitié de nos visiteurs qui sont restés deux jours. Quatrième coup d'audace. Et le cinquième coup d'audace, il est incroyable, euh, il est inattendu. Tout à coup, on a des chefs d'État, euh, et non des moindres, qui nous appellent, qui nous envoient des équipes, qui nous demandent d'aller les voir et qui nous disent, <coughs> voilà, on veut un puits du fou. Notez bien que le terme devient un terme générique, un puits du fou disent pas un parc d'attractions. Un plus du fou. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, vous prenez notre patrimoine, vous prenez notre passé, vous prenez notre histoire et vous la faites rejaillir, vous la faites revivre. C'est ainsi que j'ai été reçu par le président Poutine euh, dans le salon de Nicolas II euh, il y a quelques années pour une longue conversation qu'il connaissait le dossier du Puy-Fou par cœur. C'est ainsi que la famille royale britannique et les Anglais se sont préoccupés du Puy-Fou, les Hollandais, et euh, actuellement, Nicolas n'est pas là parce qu'il est à parler avec le sommet de la Chine euh, au sujet de la Grande Muraille, donc il est en Chine. Bon. Euh, pendant que d'autres équipes sont à Tolède, à Tolède, on a 40 euh, personnes du Puy-Fou à temps plein. Qui sont des salariés du Puy-du-Fou, de très hautes compétences, qui sont en train de préparer le parc de Tolède, qui va s'appeler Puy-du-Fou Tolède. Puy-du-Fou Tolède, ça a quand même de la gueule. Voilà. <laughs> Donc, ça, c'est le dernier coup d'audace en date. Alors, il y a une question. Qui se posent, même deux. Premièrement, pourquoi cette pérennité Deuxièmement, pourquoi ce succès Je vais terminer par là. Vous êtes admirable d'attention. Hein Moi, je serais où Je dirais attends, on a faim. Hein Alors, pourquoi cette pérennité je me souviens, la première année, autour de nous, on nous disait le bénévolat, tu vas voir, <coughs> l'entropie du bénévolat, l'usure. Il n'y a pas eu d'usure. Le secrétaire général du Puy du Fou, François Durand, pourrait vous dire qu'aujourd'hui, il y a 4000 bénévoles, vous m'entendez 4000, et c'est un drame pour nous, parce qu'il y a 600, 600 candidats qui pleurent. Parce que depuis 5 ans, parfois, ils piaffe au portillon. Et on ne peut pas. On ne peut pas grandir, sinon on va grossir. Cependant, qu'il y a 2000 salariés. Donc, le succès est là, la pérennité, elle est là. Alors, quelles sont les, les clés de cette pérennité Il me semble que la première. Il me semble pas, j'en suis sûr. La première clé, c'est que l'idée ne s'est jamais abîmée. Moi qui vous parle, là, ce soir, aux Atlantes, je peux vous regarder dans les yeux et vous dire, comme chantait Julio Iglesias, il n'est pas changé. <laughs> C'est-à-dire que ce que j'avais dit qu'on ferait, on l'a fait. Et euh, aucun puffolet ne peut dire l'idée s'est corrompue l'idée s'est abîmée l'idée a dérivé non l'idée est restée pure l'idée c'était un hymne et un requiem à la vendée un hymne à la France avec le légendaire français le grand parc qui est venu s'emboîter dans le premier hymne point la deuxième raison de la pérennité, c'est que le feu créatif ne s'est pas éteint. Euh, quand on a démarré, on s'est dit, on ne sait rien faire. On ne sait rien faire, puisque par exemple, les premiers jets d'eau, je suis allé voir Gustave, le fameux Gustave des Bottes. Et je lui dit, euh, je t'ai vu avec ton tuyau là, vert, il est beau, ton tuyau d'arrosage. Il me dit, ah, il est beau, oui. oui. Si tu l'as vu et que tu me le dis, c'est que tu le veux, mon tuyau. Ben, il est long, ton tuyau. Ah ben oui, il est long. Mais parce que l'eau, elle est à l'autre bout. <laughs> il dit, mais Gustave, le puits du fou, c'est une grande œuvre. Il dit, ça c'est sûr que c'est une grande œuvre. Tu ne peux pas me prêter ton tuyau. Oui, mais il ne faudra pas le couper en deux. Hein. Et après, on l'a coupé en cinq pour faire cinq jets d'eau. Bon, il ne m'en a pas voulu. Cinq jets d'eau, la première année, c'était des tuyaux d'arrosage. comprenez Bon, il n'y a pas un mec qui a vu les jets d'eau de la première année. Avec des, des lampes électriques, quoi. Enfin, bon. Et, non, mais quand on pense, on n'avait rien. On n'avait rien. Et maintenant, on est sur le toit du monde. Et donc, pourquoi je vous dis ça Parce que. Euh, la dernière fois qu'on est allé à Los Angeles pour le, recevoir le Hall of Fame, où j'ai eu d'ailleurs la surprise de voir que les Américains m'appelaient le, le Walt Disney français. C'est vrai! « I beg your pardon, but my French is so bad that I prefer to speak to you in English. » Donc il a fallu que... Oui, je parle, tout ça, bon. Il vaut mieux qu'il m'appelle Walt Disney français que le Mickey français, parce que... <rires> <rires> voilà, et, euh, et là, on, on, on a publié le syndicat mondial du spectacle vivant, la, la, le palmarès des, des grands savoir-faire du spectacle vivant. Il y a 266 savoir-faire, pour 65 d'entre eux, le plus du fou sur la première marche du podium olympique. Ça veut dire qu'il y a 65 jeunes talents qui ont moins de 30 ans. Par exemple. Euh, ceux qui ont fait euh, La Pérouse, ceux qui sont en train de travailler sur Chloé, etc., etc., ceux qui ont fait Le Dernier Panache, ce sont des gens qui ont moins de 30 ans, garçons ou filles, et qui sont maintenant euh, au top mondial. Il y en a 65 qui, dans leur spécialité, sont les meilleurs du monde. Vous imaginez. Et ça, c'est que le début. Incroyable. Donc, le feu créatif ne s'est pas éteint, c'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est la nouvelle génération, quand je suis revenu, moi, quand j'ai quitté la vie publique, il y a dix ans, j'ai dit à Nico, président du Puy-du-Fou, jeune président du Puy-du-Fou, mon fils, euh, qui est une bête de course, et Laurent, euh, qui est une Ferrari, à tous les deux, je leur ai dit bon les gars, maintenant, on passe à surmultiplier. Ça passe ou ça, ou ça casse. On n'a pas d'argent Ok, on s'en fout. On investit. La, la logique d'Elmo Schmidt, C'est les investissements de demain qui prendront les mains, etc. etc. On s'en fout, on y va. Euh, et si on étonne le monde entier, le monde entier viendra et on y, on y arrivera. Voilà. Donc c'était une économie de projection. Euh, de création. Et donc on crée, on crée, on crée. Euh, et ça nous a réussi. Donc le feu créatif ne s'est jamais éteint. Là, en ce moment, là, pendant qu'on se parle, il y a des gars au plus du Fou, ils sont en train d'inventer des trucs qui vont nous servir dans cinq ans. Donc on a nos laboratoires, on a nos inventeurs, et on ne dépose aucun brevet. Et plus personne ne visite nos coulisses. C'est plus prudent. Et la troisième raison de la pérennité, c'est que nous avons gardé nos ferveurs. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le 11 mars 1978, devant les 300 premiers Pifolets, je suis monté sur une barrique et j'ai dit ceci. Je lis dans vos regards le scepticisme, il est de bon aloi. Parce que je serai à votre place devant un jeune homme de 27 ans, je serai sceptique. Mais moi, je suis venu vous dire je ne vous tromperai jamais. Je ne suis pas venu ici. Déposer un acte de business. Je suis venu ici déposer un acte d'amour. Je suis venu écrire un requiem. Je suis venu disposer une sépulture qu'ils n'ont pas eue. C'était vos ancêtres. Je ne suis pas venu pour autre chose. Parce que moi, avec l'ENA, je peux faire autre chose. Mais c'est ma vie. Depuis mon enfance je veux rendre hommage à ceux qui m'ont fait ce que je suis. est-ce que vous êtes? alors vous allez relever la tête avec moi. on va relever la tête et on va relever la tête de tous les vendéens. et pour que vous me croyiez complètement, je vais faire devant vous en présence du notaire des épaisses quatre serments que j'ai préparés, auxquels j'ai réfléchi. Le premier serment, il n'y aura jamais de droit d'auteur pour le créateur sur son œuvre du Puy-du-Fou. Petite parenthèse, en 2012, avec notre conseil juridique La Fidale, j'ai décidé d'aller plus loin pour faire en sorte que la donation de mon œuvre soit définitive. Irréversible et que jamais quiconque puisse acheter le fonds incorporel du Puy du Fou par une convention euh, en béton armé. C'est-à-dire que tout scénario, passé, présent ou à venir ne donnera, ne produira aucun droit d'auteur. Tant que le Puy du Fou vivra, le fonds incorporel du Puy du Fou est inaliénable, incessible. Et moi, à ma dernière heure, je pourrais me dire si l'œuvre doit péricliter un jour, ce ne sera pas pour une question d'argent, parce que grâce aux conventions signées, la pureté de l'acte demeurera et perdurera. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque mon fils est devenu président du Puy-du-Fou, je lui ai dit Nicolas, tu es diplômé, tu aurais pu faire autre chose, je t'ai choisi, nous t'avons choisi. Parce que je sais que tu es capable de porter cette charge morale. La charge morale, c'est quoi C'est quand on a entraîné derrière soi des gens simples, humbles, et qui font confiance, et qui n'ont rien d'autre dans la vie que les larmes de joie du Puy-du-Fou. Il faut pouvoir les regarder dans les yeux. Et depuis 40 ans, on se regarde tous dans les yeux. Pas de droit d'auteur. Deuxièmement, pas de subvention pour échapper au marketing électoral. Parce que quand on a envie de faire La Fontaine ou La Pérouse, il ne faut pas qu'une collectivité vienne nous dire, ou a fortiori l'État, « Ah non, non, euh, non, c'est pas électoral. La Fontaine, tout le monde s'en fout. Prenez euh, le gars d'Orly, là. Euh, » Ou le. Voilà, un rappeur, quelque chose. Tu vas Et donc, euh, deuxième serment. Troisième serment jamais de dividende ni d'actionnaire extérieur. Le plus du fou est son propre actionnaire. Le moindre centime gagné, au plus du fou, est réinvesti dans l'œuvre. Quatrième serment, jamais de brevet. Pour ne, pas dépendre, pour ne pas être tenté de faire des transferts de brevets extérieurs. Donc, jamais de brevets extérieurs et jamais de brevets intérieurs. On fait tout nous-mêmes et on ne vend rien et on n'achète rien. Euh, or, on a aujourd'hui des inventions comme les néoptères où on a 10 ans d'avance sur. Euh, les plus performants les drones à décor que vous avez peut-être aperçus à la cinéscénie voilà c'est comme ça non pas de trafic on garde nos inventions pour nous pourquoi je vous dis ça à ce moment de mon propos pour vous dire que c'est la chance depuis du fou ce 11 mars 1978 parce que ce carré magique des quatre serments a dessiner les quatre indépendances du Puy du Fou, qui assurent sa pérennité indépendance économique, nous sommes seuls, indépendants, pas d'argent extérieur indépendance artistique, nous faisons ce que bon nous semble. Et d'ailleurs, nous faisons le contraire du marketing. Un homme de marketing, si vous lui dites "On va faire l'apérouse", le mec qui dit "Mais il y a..." Mais y a 1% de Français qui connaît. Vous voyez, on fait tout à l'envers, en fait. C'est la phrase de Richelieu. Il faut gagner la rive comme les rameurs en lui tournant le dos. Parce que le marketing, c'est un truc qui invente les besoins qui existent déjà. Alors, pour, pour, pour planter une entreprise, c'est ça qu'il faut faire. Par définition, une entreprise qui invente, le marketing, il ne dit rien. Il est que le magnétomètre à protons qui est dans le vide au-dessus de la marée. Donc, nous, pas de marketing. Voilà. Ça peut choquer, hein, mais c'est comme ça, ça marche bien pour l'instant. On ne se plaint pas. Et, euh, donc, indépendance économique, indépendance artistique, indépendance pédagogique avec nos écoles. On forme nos jeunes à du plus à l'esprit du Puy-du-Fou. Et enfin, indépendance euh, technologique. Voilà. Alors, la question maintenant pourquoi ce succès C'est le plus intéressant, évidemment. Pourquoi une entreprise comme le du Fou, 40 ans après, a un tel succès. <laughs> tous les jours, je pense au chef d'entreprise. Euh, euh, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, tous les matins, doit se dire, bon, mon produit, euh, il est périmé ou quoi Mon produit, il marche encore Et les commerciaux, dites-moi la vérité, qu'est-ce que vous entendez okay parce que moi, ça fait dix ans que je fabrique un savon de Marseille et qu'on me dit que maintenant il y a du savon parfumé et que les dames dans leur baignoire prennent du savon parfumé. Bordel. Et mon savon de Marseille, c'est le meilleur. Oui, mais tu vas crever, bonhomme. Ah oui, parce qu'il y a la concurrence. Donc nous, en fait, tous les jours, on se dit attention, attention, on est fragile, attention, il euh, faut aller plus vite, il faut aller plus loin, il faut qu'on soit les meilleurs du monde, etc. On est dans l'angoisse créatrice. pourquoi ce succès succès externe succès interne je terminerai par là parce qu'en fait euh, on a créé une société on a recréé une sociabilité la sociabilité c'est l'hospitalité euh, l'entraide euh, et surtout et surtout on a fait sauter les trois écrans L'écran entre les générations. Aujourd'hui, au Puy-du-Fou, le phénomène de génération ne joue absolument pas. On se parle comme si on était de la même génération. On est la génération Puy-du-Fou. Et ça, c'est fantastique. Il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de, de, de respect affecté. Non, on est tous Puy-Fou. Deuxièmement, le statut... Euh, le statut... Euh, juridique. Il y a des bénévoles, il y a des salariés. Normalement, quand vous mettez des bénévoles et des salariés, ça se casse la gueule tout de suite. Pourquoi Parce que le bénévole, il dit aux salariés « Et tu ne me parles pas comme ça, bonhomme, s'il te plaît. Hein, parce que euh, euh, moi, je suis salarié, je suis compétent. Toi, tu es... Hein. » Et l'autre, il dit « Ben ah oui, mais moi, tu ne parles pas comme ça parce que moi, je donne tout mon temps. Toi, tu es salarié. Ah, » Pourquoi ça marche Parce qu'il y a une mystique de l'œuvre. Parce qu'en fait, on fait du beau, on cherche à faire du beau, on cherche à faire plus beau que beau, et on dépose ce beau dans le cœur des gens. Et du coup, et du coup chacun a le sentiment que l'œuvre qui lui préexiste bien souvent, sauf pour les anciens, lui euh, le dépasse et le surpasse. Et donc, chacun porte la poutre maîtresse. Qu'on soit salarié ou bénévole, c'est pareil. On a dans le regard... Pour accueillir les visiteurs, le même amour de l'œuvre. Et ça, on a réussi, ça. C'est la preuve qu'en réalité, c'est la phrase de Saint-Exupéry Donnez-leur quelque chose à aimer, vous verrez qu'ils s'aimeront. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a une espèce d'éthique naturelle, sans qu'on ait rien à dire, de l'oubli de soi-même au profit de l'œuvre. Il y a l'œuvre, l'aventure du plus du fou Elle est plus grande que chacun d'entre nous. Elle nous survivra. On a fait une société. Tout le monde le voit, tout le monde le dit, puisque les, les visiteurs nous disent, c'est drôle, quand on arrive, il y a la sérénité. Il y a la sérénité. On est accueilli par un sourire euh, qui, 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 qui est un sourire d'âme. C'est-à-dire que ce n'est pas un sourire commercial. On sent que vos gens ne sont pas formés à sourire. Le sourire vient de leur âme. Parce qu'ils sont heureux ici et ils sont heureux de nous voir. Et ça, c'est un vrai bonheur dans la société d'aujourd'hui. Donc, on a fabriqué une société. Avant, d'ailleurs, les premiers Pifolets qui venaient, ils venaient au Puy du Fou comme ils allaient au bistrot, c'est-à-dire euh, par souci du voisinage. Ah, oh, on va au Puy du Fou parce qu'on est voisin. Maintenant, le, les Pifolets sont affinitaires. Ils viennent au Puy du Fou par une démarche personnelle, familiale pour se retrouver dans une société qui est une vraie société, qui n'est pas une dissociété dans laquelle les liens sociaux sont distendus. Mais on a fait plus que ça. Ce n'est pas simplement une société. Sinon, ça n'aurait pas duré. On a fait une petite nation. Qu'est-ce qu'une nation C'est trois choses. Une histoire, un art de vivre, une langue. On a fait une petite nation. Naturellement, c'est une expression. Le pays fou n'a pas l'intention, du moins pour l'instant, de choisir un statut voisin de celui de la principauté de Monaco. Mais enfin, quand même, il ne faut pas qu'on nous emmerde. Euh, quand je vous dis une petite nation, vous pensez évidemment, on a un hymne. On a, une, on a une devise. Euh, rien ne se perd jamais. C'est à jamais. On en a même deux devises. Et on a un drapeau, un blason. Il reste en fait deux choses, la monnaie, et le décalage horaire. <laughs> bon, redevenons sérieux, parce que sinon la presse qui est là ce soir va dire, Philippe de ville annonce. On se disait bien qu'il a des fourmis dans les jambes, il va revenir à la tête d'une nation. Ben non. Non, c'est une petite nation au sens de la civilisation. Alors, l'histoire. On a une histoire. On a une histoire, c'est une sédimentation d'épreuves, de succès. voilà. Et en fait, l'histoire du Puy du Fou, elle, elle s'est se, elle tramée sur, sur la question de la reconnaissance. Euh, il y a eu trois dates clés, 1984, 1993, 2012. 1984, vive la crise, la grande émission présentée par Yves Montand. En fait, Mitterrand, à ce moment-là, euh, voit qu'il échoue sur le, la question de l'emploi. Il dit on n'a pas de recette contre le chômage. Il envoie Yves Montand, Thierry Walton, Michel Albert. Toute la deuxième gauche qui s'était entichée du du fou euh, Rocard, faire une émission en disant vive la crise. C'est-à-dire, on fait de la crise une chance. En fait, c'est le début de la mondialisation, liberté des capitaux, et on dit aux gens allez, small, beautiful. Et ils cherchent, ils cherchent à la poêle à frire, et tout à coup, ils arrivent et ils disent. La bonne nouvelle après la crise, c'est le titre de Libération à l'époque. La bonne nouvelle après la crise, le puits du fou. Moi, je me dis, oh putain, on va passer sous le grillage du radar, là. Et en fait, ils s'entichent du puits du fou parce qu'ils disent, voilà, un nouveau modèle socio-culturel qui n'est pas fondé sur le capital, il n'y a pas de capital, qui est en fait un vrai modèle autogestionnaire. Alors moi, je vois le parti attiré de ne pas dire non. Mais bon, va pour autogestionnaire, on nous appelle les Yougoslaves de l'Ouest dans le sujet. Et Yves Montand explique, oui, il y a la crise, oui, ça c'est la première partie, les gens sont désespérés devant leur télévision. Il y a 15 millions de téléspectateurs, pour ceux qui s'en souviennent, 1984. Et deuxième partie dit, mais il y a la bonne nouvelle après la crise. Le puits du fou le modèle socio-culturel, small is beautiful, etc., etc. La combinaison contradictoire de l'infiniment petit et de l'infiniment puissant. Et nous, on s'engouffre là-dedans. C'est une opération extraordinaire. Mais il y a toujours les déchiens. Au déchiens, il y a Yolande, François Morel. Il y a Yolande qui dit à François Morel et le petit gars, là. Tu lui dis au oh, petit gars, tu continues à nous faire chier jusqu'au bac, tu sais ce qui va t'arriver Ben dis-lui ce qui va lui arriver. Oui, mais ben, ce qui va t'arriver, va t'arriver une chose, c'est qu'on va te mettre avec un sandwich à la rillette dans l'autocar. Et dis-lui où c'est qu'il va aller dans l'autocar. Au puits du fou. Donc, quand vous avez tous, tous les soirs la... Le, le truc qui s'ouvre, qui se lève. Et ça, à la télé, vous êtes cuit. En termes d'image, vous voyez Voilà. Donc, en fait, euh, moi, moi, à Paris, quand j'entrais dans un studio où j'allais au maquillage, les journalistes, je dis Alors, ça va <laughs> Je dis Quoi Qu'est-ce qui vous fait marrer ben, Le pu du fou. En fait, c'était la kermesse du vicomte. Avec des feux de joie, il fait danser les métayers. Avec des flambeaux. <coughs> te fous de ma gueule. Oui. Alors maintenant, quand j'y vais, je peux vous dire, c'est percé dans les oreilles. Le PDG, les journalistes, et à la sortie, ils viennent me voir, ils se frottent à moi comme le comme le gars de Saint-Martin. <coughs> et ils me disent, mais moi, je veux pas ça. Et ils et ils me disent euh, vous n'avez pas, on peut pas avoir quelques places parce que j'ai appelé avec, on voudrait y aller en famille, etc. Ah, ah donc, ah vous au plus du fou. Ah oui, très bien. Oui, il bah, n'y a pas de problème, on va trouver. Bon, voilà. Donc en réalité, ça a basculé. La deuxième grande date, c'est 1993. Elle concerne tous les Vendéens. En 1993, euh, grâce à Dominique Souchet, euh, mon ami, conseiller général, diplomate, il fait un coup incroyable on fait venir Solzhenitsyn en Vendée. C'est la première fois que Solzhenitsyn vient en France, revient en France. Normalement, il doit aller en Russie, puisque il est en exil dans le Vermont. Il choisit de venir ici pour euh, venir au Puy-du-Fou et au Luc-sur-Boulogne, à la chapelle des Luc. Et là, en fait, il prononce un discours tonitruant en disant, un jour viendra où les Français seront de plus en plus fiers de la résistance et du sacrifice de la Vendée. Et là, ça bascule. Dans le milieu des historiens, à part quelques berlus qui sont cachés dans les toilettes de la Sorbonne, euh, c'est fini. La cause est entendue. La cause est entendue. On a gagné. La Vendée réhabilitée. Oui, c'est passé quelque chose. Et je peux vous dire que les gens qui sont venus cet été au Puy du Fou, mais vous n'imaginez pas qui de gauche et d'extrême gauche disent. Oui, c'est vrai, il y a eu un génocide. Faudra le reconnaître un jour. Oh putain, c'est génial. Et puis, et puis, et puis 2012, en 2012, un jour, euh, Laurent et Nico montent dans mon bureau, au plus du fou, et me disent, on a un truc à te dire. Euh, Est-ce que tu as chez toi, tu as gardé du, du ministère de la Culture euh, un smoking Il dit euh, non, mais en plus ma femme dit que si je l'avais gardé, il serait plus métable <laughs> Elle dit pourquoi dit parce qu'on nous demande de préparer nos, nos papillons, etc. Hollywood, euh, l'Oscar du plus beau parc du monde, le Tick Classic Award. On part là-bas. La presse française, écoutez bien ça, la presse française, qui n'a eu que mépris pour le Puits du Fou pendant tant d'années, se retourne sur le thème le célèbre Puits du Fou. Merveille, tout ce qui vient d'Amérique est béni. Du moment que les Américains ont dit Ah non, non, c'est formidable le puy du Fou, ah bon, ben on court. Dans les dîners en ville à Paris, il y a quelques années, il y a un gars en bout de table, il n'ose pas dire ce qu'il a fait pendant ses vacances. Il est bousculé par un avocat parisien, très connu, qui lui dit Alors dis-nous, je sais où t'étais. T'es allé au pu du fou. Oh, oh 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 Tout le monde. La soupe tière qui tombe tellement. Mais cette année, le même dîner, il y a un mec en bout de table, il ferme sa gueule. Tout le monde lui dit Et toi il dit même moi quoi t'es pas le plus du fou <laughs> et alors euh, donc en 2012 alors 2012 2013 etc c'est à dire qu'en maintenant c'est une pluie d'Oscar, et le dernier je vous dis c'est moi de mon vivant normalement les mecs sont morts de mon vivant, on m'a dit vous entrez au Hall of Fame. Bon, il n'y a pas d'autres Français pour l'instant et pas d'autres Européens. Voilà. Euh, donc, euh, je, je, simplement, je suis comptable d'une aventure. Euh, je, je, je vous dis tout de suite les décorations, ça m'intéresse pas. J'ai déjà, je, dès que j'ai quitté la vie politique, j'ai appelé le préfet pour dire c'est même pas la peine de me faire le coup de la Légion d'honneur. Je n'ai rien à cacher. Donc, euh, en soi, le Hall of Fame, bon, voilà, mais simplement, c'est le puits du fou qui est, qui est en jeu. Voilà, c'est formidable. Voilà. Et donc, en réalité, euh, nous sommes maintenant, je, je le dis, sur le, sur le toit du monde. Alors, on a accueilli la note Jeanne d'Arc. Euh, on n'a pas cherché, simplement, ça s'est passé comme ça. Et donc, petit à petit, le Puy-du-Fou est devenu un haut lieu de la mémoire vivante de la France. C'est à la fois une entreprise et une aventure, c'est une entreprise saine, une entreprise, une entreprise à succès, une entreprise qui est bien gérée, gestionnaire, visionnaire, mais aussi une aventure humaine qui est demeurée ce qu'elle était. Nous sommes un haut lieu de la mémoire vivante. Pourquoi ce succès cet été, j'ai rencontré des gens très différents les uns des autres et qui m'ont dit la même chose sans se concerter. Euh, ils m'ont dit, pour nous, c'est devenu une petite patrie. Je dis, pourquoi vous dites ça ils disent, Parce que avec nos enfants ou avec nos amis ou avec nos voisins, ben, on vient, on revient et euh, on en a besoin. Ah bon Oui. Parce que c'est comme une source d'eau vive euh, où on étanche la soif de racines. Qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 40 ans et aujourd'hui On est dans un monde désaffilié, désinstitué, déraciné. Or, comme le disait le sociologue Christopher Lasch, le déracinement déracine tout sauf le besoin d'enracinement. Et donc, nous correspondons, je parle en termes d'entreprise, nous correspondons aujourd'hui à euh, un besoin secret, les racines. Au plus du fou, on retrouve ces racines. Et même si on vient du bout du monde, les Chinois, ils comprennent tout, parce qu'en fait, la nation est le chemin du monde. Les racines conduisent à l'universel. Et donc, si j'avais à conclure sur la grandeur du Puy-du-Fou, la grandeur de cette œuvre et sa longévité, je dirais tant que le Puy-du-Fou euh, répondra aux mémoires en manque. Aux âmes aplantes et palpitantes. Alors il grandira et il restera ce qu'il est, une œuvre de civilisation intime. Je peux vous dire, chers amis, en vous remerciant de m'avoir écouté, avec autant d'attention et, et de chaleur, que c'était pour moi l'œuvre d'une vie et que c'est un immense bonheur d'avoir fait ça et d'avoir su transmettre à des équipes qui me dépassent par leur enthousiasme, leur incandescence et leur effervescence, de leur avoir donné l'occasion d'avoir une belle vie. Mais surtout, surtout, nous qui aimons la France, aujourd'hui tu méfies. Et pour tout dire, menacé de partition, menacé au cœur même de sa civilisation. Le plus du Fou, ça reste un havre, ça reste un môle qui ne bougera pas. Un isolat, comme dirait Jean Raspail. Un isolat pour les dissidents, pour ceux qui sont en dissidence d'une société multidéculturée. Mais surtout, et je terminerai par là, je m'adresse à vous, chers amis vendéens, et je vous dis, on a fait une chose ensemble depuis 40 ans. Quand les sablais allaient dans le bocage, il y avait un petit malaise. Quand les boquins venaient au sable, il y avait un petit malaise. Aujourd'hui, grâce à tout ce que nous avons fait, il n'y a plus de malaise. L'autre jour, quand j'ai reçu les conseillers municipaux de c'était extraordinaire comme atmosphère. Il y a quelqu'un qui pleurait et qui tout à coup, en balbutiant, a dit, en se reprenant à plusieurs reprises pour terminer sa phrase, on se sent bien ici. On est en Vendée. Et donc, en réalité, aujourd'hui, qu'on soit de la plaine, du bocage, de la côte, ce qu'on a fait ensemble, c'est une chose précieuse et mystérieuse. On a retrouvé notre fierté. Et on a retrouvé l'amour de nos voisinages, de nos lignées et de nos voisins de demain. Vendéens. Je vous aime. Merci. Merci, Philippe de Villiers. Merci et bravo. Merci. Il nous reste une petite demi-heure à partager avec vous, Philippe Devilliers, pour une, quelques questions. Donc faites-moi signe. n'hésitez pas sur les questions, les questions les plus impertinentes sont les bienvenues. Alors. Alors. merci. monsieur de villiers, ne craignez-vous pas? avec l'évolution euh, politico-économique que nous connaissons, ne craignez-vous pas qu'un jour on s'attaque au principe du bénévolat qui échappe au fisc Est-ce que euh, vous avez une perspective de parade à ce qui pourrait bien arriver avec nos ingénieurs de Bercy Excellente question. Euh, C'est une question réaliste. En effet, les gouvernements successifs, celui de Jacques Chirac, j'oublie le nom de la ministre de la Culture, par son inaction, elle, elle m'a aidé à l'oublier. Puis, on a eu le gouvernement Fillon qui a entrepris de mettre fin au bénévolat. Et donc, euh, là, on a craint le pire. Et finalement, euh, on a fait savoir. Alors, on a une force de frappe, hein, le plus du fou. C'est-à-dire qu'il y a quand même le site. On a... Euh, Saline disait le pape combien de divisions... Euh, euh, à Paris, ils savent que le du fou c'est quelques divisions. C'est-à-dire qu'on a des fans. Donc si on les met dans la rue un jour, euh, on a toutes les adresses. Tout. Si on leur dit, voilà, on n'est pas content, il va falloir secouer les grilles avec nous, il n'y a plus de grilles. Je vous dis ça, c'est malheureux, mais c'est ainsi. Parce que à Paris, euh, alors à Paris, le mot bénévolat est inconnu dans les ministères. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est caractéristique de la France d'aujourd'hui, la France technocratique. Ils appellent ça la pratique amateur. Alors, donc, le gouvernement Fillon avait un projet euh, auquel nous l'avons obligé euh, à renoncer en relation d'ailleurs étroite avec nos amis bretons. Parce que tous les gouvernements, depuis les bérets, ont peur. Voilà. Et donc nous, on a dit, si vous touchez au bénévolat, on arrête, mais on vous prévient, on prévient la France entière. Voilà. Voilà. Ils ont peur. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Euh, Fillon a eu peur. Vraiment très peur. Il m'a convoqué, il m'a dit... Euh, je dis, je ne suis pas venu là pour te tailler un costard, mais bon. Pardon. Bon, elle est, elle est un peu celle-là. C'est un peu fin de soirée, là. Pardon. Et après, donc, euh, quand, le président, quand Emmanuel Macron et Brigitte sont venus au Puy-du-Fou, euh, on a parlé de beaucoup de choses et on a dit, attention... Euh, il y a eu déjà trois tentatives sur la question de la pratique amateur. Alors vous n'allez pas recommencer. Et euh, il nous a dit, bien sûr, aucun problème. Etc. Et puis patatras, euh, il y avait un texte qui était lancé du temps de François Hollande, et puis qui a traversé deux ministères de, de la culture successifs, et il y avait un vrai danger euh, pour le plus du fou. Et euh, finalement, euh, le, le président est intervenu personnellement pour que euh, le texte ne soit pas appliqué au Puy-du-Fou bon. par un tour de passe-passe. Mais moi, je reste très, très circonspect. Et vous avez raison de dire que c'est un des grands dangers à l'avenir. Parce qu'il faut bien comprendre que le Puy-du-Fou, en fait, on a beaucoup, beaucoup de, de salariés mais parce qu'on a aussi beaucoup de bénévoles, et que le bénévolat crée de la richesse qui permet d'embaucher. Donc, dans une économie, les chefs d'entreprise sont ici, tous. il n'y a pas un gâteau qu'on partage, on s'y part. Le, le, le gâteau, il est extensible. C'est-à-dire que la création de richesse amène la création de richesse, et donc la création de l'emploi. Et donc, si on se met dans une dynamique plus il faut absolument préserver le, le plus du fou. Moi, je pense que ce qui préserve le bénévolat, c'est quelques grandes associations, dont la nôtre. Je, je pense que le phare, c'est nous. C'est la trouille qui les fait reculer. Mais les gens de Bercy, qui sont des musaraignes totalitaires, n'ont qu'une seule préoccupation c'est de vous man manger les chevilles et ensuite manger plus haut. Voilà. Autre question Oui, par ici. Merci. Bonsoir. Alors, moi, je suis très émue ce soir et euh, je voudrais vous dire trois fois merci. Le premier merci, c'est que je vous dois aujourd'hui même mes 19 ans de mariage parce que j'ai rencontré mon mari au Parlement européen grâce à vous. J'étais euh, jeune MPF et lors d'une réunion à Lyon. Euh, vous m'avez présenté un député européen. Je suis devenue euh, sa stagiaire et j'ai épousé son assistant. Je voudrais vous remercier aussi en tant que maire parce que j'ai cinq garçons qui sont tous fans du Puy du Fou. Ils nous demandent même si on peut demander l'asile politique. Euh, et un troisième qui lui rêve de devenir. Euh, vétérinaire chez vous. Et donc quand il y a du mou dans ses études, on dit non Jean, tu dois être le meilleur. N'oublie pas, tu veux être vétérinaire au Puits du Fou. Si tu veux le faire, fais-le. Mais sois le meilleur. Et il garde cette image du Puits du Fou. Il vous a dans sa chambre. Il est. Euh... D'ailleurs, vous l'avez très souvent vu, ces petits garçons qui vous suit partout. Et enfin, en tant que chef d'entreprise, parce que le chef d'entreprise que je suis veut faire découvrir aux gens le beau le beau qui élève. Et euh, donc j'ai créé cette société maintenant aujourd'hui qui s'appelle Délire de créatrice et je veux faire découvrir le fait main français. Et, euh, et c'est d'ailleurs ma question, c'est est-ce qu'un jour, en dehors des villages, euh, dans vos magasins, vous mettrez un peu plus en avant le fait main et un peu moins le, euh, le fait made in China ah. Très bien. <laughs> Ben, je vais vous faire une réponse, euh, une double réponse. D'abord, euh, vous avez raison sur le Maïnachana, mais on y travaille justement. Euh, on va dans ce sens-là. Je peux même vous dire qu'on euh, a pris des dispositions pour que, par exemple, pour la nourriture, pour la matière, euh, on va vers le, un système d'approvisionnement de la proximité vendéenne, c'est l'objectif, mais les décisions qui ont été prises cet été vont dans ce sens-là, et évidemment dans le sens du Made in France. Mais c'est pas toujours facile pour les raisons que vous savez. D'ailleurs, tous les entrepreneurs qui sont là savent bien quel est le problème. En fait, j'ai compris, vous avez deux questions. Ça, c'était la première. La deuxième et la première, c'était en fait, vous vous êtes rencontré, si j'ai bien compris, avec votre mari grâce à moi. Alors, moi, je vous donne un conseil, madame, parce que vous avez l'air très jolie. Vous mettez une image de moi au-dessus de, du lit, et plus tard, quand euh, il vieillira, comme ça, ça marchera encore. Bonsoir, cher Philippe Villiers. On a passé un moment extraordinaire nous, à vous écouter et, à, euh, euh, et vous êtes euh, capable, bien sûr, d'alterner de, de, l'humour et puis le, le sérieux et l'émotion. Mais la question simplement, enfin, moi j'ai vu, comme tous ceux qui sont ici, plusieurs fois, les, plusieurs fois, plus du fou, et euh, vous avez parlé tout à l'heure des racines. Et c'est vrai que quand on va au cul du fou, il y a des racines que l'on sent, que vous n'avez pas prononcées, mais qui sont bien derrière vos paroles en filigrane. Ce sont nos racines chrétiennes, celles qui ont été si souvent persécutées par notre pays, qui, qui pourtant existent par ces racines. Voilà la question que je vais vous poser, mais peut-être que vous ne pouvez pas y répondre. Mais moi, je les sens, ces racines chrétiennes, je les sens derrière vos, vos spectacles et derrière ce parcours du puits du fou. Merci. Merci de m'avoir posé cette question. J'ai l'impression que vous vous dites, oh là là, je ne sais pas si je dois poser cette question, ça peut le gêner quand même, euh, la laïcité, tout ça. Philippe de Villiers il fait attention à sa réputation. Ben non, je ne fais plus attention à ma réputation. Et d'ailleurs, je viens de sortir un livre qui s'appelle Le mystère Clovis. Et j'ai expliqué l'autre jour euh, sur Europe 1, euh, chez Routel Cria sur BFM TV, que, et dans Valeurs Actuelles, une longue interview où je dis si la France oublie ses racines chrétiennes, elle est morte. Si l'Europe oublie ses racines chrétiennes, elle est morte. Et j'ai ajouté ce que je vais dire devant vous, ce que j'ai dit devant des millions de téléspectateurs. Nous avons tous qui que nous soyons. Ce n'est pas une question de culte, ce n'est pas une question de foi, c'est une question de culture, c'est une question de vie et même de survie. Nous avons tous qui que nous soyons, un peu de Rome, un peu de Jérusalem, un peu d'Athènes, comme un petit évangile. Qui coule dans nos veines. Je vais aller plus loin. Si la Vendée n'avait pas été chrétienne, le Puy du Fou n'aurait jamais existé. Si la Vendée n'avait jamais été chrétienne, elle ne se serait pas révoltée en 1793 et elle n'aurait pas sauvé l'honneur et la liberté de conscience. Si la Vendée a été massacrée, c'est parce que la Révolution française porte un gène terroriste dans son ADN, la table rase. Et elle a voulu remplacer la religion ancienne par une religion nouvelle, l'être suprême et le droit de l'homisme. On voit les dégâts aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, toutes les frontières sautent. La frontière géographique qui sépare le citoyen de l'étranger. Et qui définit l'identité, sans limesse à Rome, il n'y a plus de Rome, d'Empire romain. La frontière géographique qui transforme le citoyen en consommateur compulsif sur un marché planétaire de masse. C'est ça qu'il voulait. La frontière anthropologique entre le sexe masculin et le sexe féminin, on va tous devenir des hermaphrodites. La frontière entre la vie et la mort. Quand on entre dans un hôpital et qu'on est vieux, on se méfie de la blouse blanche qui arrive avec une seringue. Et puis la frontière entre les animaux et les hommes. Aujourd'hui, il vaut mieux être un panda du zoo de Beauval parce qu'on risque d'être visité par Brigitte Macron. Quand le panda mère est enceinte, il vaut mieux être un panda aux eaux de qu'un embryon humain, expérimental, livré à des blouses blanches qui viennent visiter pour arracher, déchirer, détruire. Nous sommes dans un instant incroyable, au nom de, du militantisme animalitaire, comme on dit maintenant, où nous vivons un chassé croisé sans que personne ne l'ouvre. Entre l'animal et l'homme, l'animal est en train d'acquérir euh, un statut de sujet de droit au moment où l'embryon est en train de devenir un objet. Ce chassé croisé prépare la transhumanité, l'homme bionique, l'homme pesticide, l'homme augmenté. L'homme aliéné, l'homme détruit. Je pense avoir répondu à votre question. Oui. Bonsoir. Merci pour ce soir. C'était magnifique, comme d'habitude. Euh, je m'appelle Corentin Stemler et je suis un pur produit vilier parce que je suis issu du Puy-du-Fou et de l'issès. Et ma question ce soir, euh, ça peut sembler être une évidence, mais votre réponse m'intéresse beaucoup. Parlez, parlez fort parce que je suis sourd. Vous avez dit cette phrase, une société se sauve non par des mises en garde, mais par des réalisations qu'on accroche à contrepente. Les réalisations concrètes, vous les avez faites dans votre vie. Vous avez fait des réalisations dans tous les milieux qui commençaient à être secs, qui étaient abandonnés. L'éducation, vous avez créé l'ICES, l'école du puits du fou la politique de combat pour les valeurs au MPF et jusqu'au conseil général de la Vendée et l'art et la culture avec le Puy du Fou. Aujourd'hui le Puy du Fou c'est un oasis fantastique mais est-ce que cette oasis est suffisante pour la France entière Est-ce qu'il ne faudrait pas des fibres de vidier partout sur notre beau territoire et comment est-ce qu'on peut les faire émerger pour qu'ils aient cette volonté et cette envie profonde d'allier à la fois l'engagement local pour un territoire qu'ils aiment, dans lequel ils sont enracinés, et en même temps pour une France pour laquelle ils se battent, pour des valeurs qui sont solides. Donc tout cet ensemble harmonieux. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que partout en France, il y ait, comme vous dites très bien, ces petites lucioles qui sortent de la catacombe et qu'on voit enfin un peu la lumière qui jaillit à la sortie de l'obscurité D'abord, vous avez évoqué l'ISS. Euh... L'ISS, c'est vraiment une réussite extraordinaire. L'évolution le... de l'ISS est remarquable grâce à son nouveau, enfin à son directeur, pardon, je dis nouveau, mais il est là depuis longtemps, qui s'appelle Éric Delabarre. Quand je vois le plateau de l'ISS, les professeurs de l'ISS, je me dis, mais c'est fantastique ce qu'on a fait. C'est fantastique. Le... Quelqu'un m'a dit récemment, un grand professeur de la Sorbonne m'a dit, c'est sans doute la meilleure université de France. Elle est en Vendée, elle est à La Rocherion. Alors, gloire à l'ISS, et j'espère que ce message sera retransmis aux intéressés. Il faut tenir, il faut que l'ISS tienne. C'est vraiment un des plus beaux fruits de la Vendée. L'ISS est en train de faire pour le 21e siècle ce que Saint-Gabriel a fait pour le 20e siècle. Former des cadres, des ingénieurs, des entrepreneurs, des... des.. des des créateurs. Deuxième question, euh, la question du clonage. <laughs> Pour l'instant, personne ne m'a demandé ma semence. <laughs> Non, je, je pense que. Euh, en fait, on est des milliers en France, des milliers sans se connaître, à être euh, lucides. Voilà. Moi, je, je, mon professeur de français qui s'appelait l'abbé Bonenfant, à Saint-Joseph de Fontenay, disait Philippe, si tu crois au mast, tu cuit. Crois aux élites. Moi, je crois aux élites et aux idées. Ce sont les élites qui commandent les masses. Léline l'avait bien compris. Il dit Donnez-moi mille hommes et je fais la révolution. Les masses, les élites. Donc, il ne suffit pas que. Ce n'est pas la peine qu'on soit très nombreux. Les élites, les masses. Et les idées, ce sont les idées qui mènent le monde. Les hommes politiques l'oublient, surtout en ce moment. Mais ils vont être balayés. Par exemple, aujourd'hui, dans toute l'Europe, il y a un sentiment de dépossession. Dépossession de soi-même, dépossession de sa mémoire, dépossession de son histoire, dépossession de son territoire. Euh, on installe une contre-société qui n'est pas de la même civilisation et qui est agressive et conquérante ça ne peut que mal se terminer mais face à cela il y a des gens qui disent rien mais qui n'en pensent pas moins et qui au fil des attentats et euh, de ce qu'ils voient parce qu'il suffit d'avoir un œil pour voir et même Gérard Collomb s'en est aperçu et il a dit à son copain dit Manu et l'autre lui a dit Dis-moi, Gégé. <laughs> Qu'est-ce que t'as, Gégé Dis-moi. Mais que je suis pas content. Le côte à côte, face à face. Alors il y a des, il y a, y a les lucides et les translucides. Les translucides ils ont dit oh bah ben, il exagère, il est gâteux. Ah oui. Mais enfin les lucides, les policiers eux, par exemple qui vont là-bas ils savent. Bon. et on sait maintenant que c'est partout. Vous voyez bien, c'est une invasion. Voilà. Changement de population et changement de civilisation en même temps. Voilà. Alors, face à cela, qu'est-ce qu'on peut faire Il y a, Premièrement, une voie sans issue faire confiance aux hommes politiques. La deuxième voie, c'est de créer sa petite structure de résistance. Sa cellule de dissidence, à chacun son charisme. Vous savez, un entrepreneur qui, euh, qui développe son entreprise, qui donne de l'emploi à ses salariés et qui euh, fait sentir le serment qu'il ben, défend quelque chose qui, qui lui appartient, mais qui en même temps appartient à plus grand que lui, ben, il défend un bout de France. Il y a plein de petits bouts de France qui ont mille manières de se défendre et de rayonner. Mais dites-vous qu'en face, ils ne construisent rien. Ils ne font que détruire. Nous, nous construisons. Nous, nous construisons. Et les peuples ont un instinct que les élites, parfois, ne comprennent pas ou trop tard. Il va y avoir un gigantesque coup de balai dans toute l'Europe. Quand Je ne sais pas. Tout à l'heure, la dame qui me remerciait pour son mari. M'a dit, m'a parlé du Parlement européen. Et tout à l'heure, euh, Jean-Michel parlait de mes livres. Moi, j'étais un lanceur d'alerte. Les abeilles, Urba, la corruption, l'Europe aussi. Euh, J'ai dit, ça se terminera mal. Et je me souviens qu'au moment de des élections européennes de 1994, j'avais fait une liste avec Jimmy Goldsmith et Charles de Gaulle qui s'appelait L'autre Europe. C'est incroyable, c'était prémonitoire. Et donc, euh, là, ce qui est en train de se passer, c'est la fragmentation de l'Europe. Le Brexit, c'est parti. Pourquoi Parce que les Anglais, en fait, je les connais. Ils m'ont dit, nous, on veut défendre notre identité, on ne veut pas la perdre. Or, vous, avec euh, votre parti pris migratoire, vous voulez faire venir toute l'Afrique chez vous, puisque vous avez aboli les frontières, dans votre tête. Et que c'est ça, la grande idée, le principe de non-discrimination poussé à son extrémité et le principe de la liberté de circulation poussé à son extrémité. Voilà, donc on, vient, on devient un immense marché planétaire, il n'y a plus de frontières. L'Europe voilà. de l'Est... Euh, elle n'entend pas de cette oreille. Et qu'est-ce qu'on reproche à Orban aujourd'hui euh, Je connais très bien le sujet. Et je connais le personnage, et j'ai un profond respect pour lui. Il est monté sur les chars soviétiques. Il leur a dit, vous ne bougerez pas en 1956. C'est pour ça qu'il est populaire chez lui. Il a été élu trois fois de suite euh, aux deux tiers des voix. Il n'y a pas un Hongrois qui dit que c'est une dictature. Pas un seul. Il n'y a pas un seul acte antisémite. On n'est pas en seine saint là-bas. Et Orban, il veut, euh, il veut euh, garder ses racines chrétiennes, il veut une famille avec un homme et une femme, un père et une mère, et il veut simplement faire respecter le traité de Schengen, c'est-à-dire faire respecter sa frontière, par application du traité de Schengen. Pas d'immigration illégale. Voilà ce qu'il veut, monsieur Orban. Il faut savoir que ce monsieur Orban, il vit dans un pays. Vous allez comprendre pourquoi, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Hongrie. Ils ont eu euh, Gengis Khan. Ça vous dit quelque chose Avant que Saint-Louis euh, ait lui-même peur qu'ils arrivent jusqu'à Paris, les Mongols. Ils ont eu euh, l'occupation allemande, l'occupation soviétique, l'occupation autrichienne et l'occupation islamique. Quand vous parlez avec les Hongrois, ils vous parlent de 1526, la bataille de Moax. Pour eux, la bataille de Mohax c'est un grand traumatisme. Il y a à la base ce qu'on appelle les bains turcs. Quand on est allé enregistrer la musique du puits du fou, nous, euh, avec Nick Lenespis, Nick me dit, tiens, ce soir, on va aller au bains turcs Je dis, ah bon, oui, ben oui. Ben, 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 ben. Donc, donc euh, ils savent, eux, de quoi ils parlent. Donc ils nous regardent et disent, mais vous êtes complètement fous. Fou. Vous êtes en train de... de c'est ça votre état de droit. L'état de droit. Ah, ils ne respectent pas l'état de droit. Mais vous savez ce que c'est l'état de droit C'est l'enfant sans, sans père, l'homme sans racine, euh, une Europe sans frontières, sans souveraineté, sans état, sans nation, une Europe sans corps. Et la fabrique d'un homme de sable. Moi, je veux pas de somme. Et quand j'ai dit ça, moi, au moment de Maastricht, on disait, oh, Philippe de Villiers exagère, surtout en Vendée, oh là là. Mais ouvrons les yeux, ouvrons les yeux. Mais c'est ne pas connaître la machine de Bruxelles que de ne pas comprendre qu'on est en face d'un truc totalitaire qui va tout déstructurer. Et une fois qu'on aura détruit euh, toutes les cultures... Toutes les racines et tous les équilibres affectifs, on sera dans l'animalitaire. Ça sera la fin de notre civilisation. Mais heureusement, il y a des gens qui se lèvent. Vous voyez, moi, j'avais quitté la vie publique. J'avais l'intention de ne m'occuper que du puits du fou. Ça me suffisait amplement. Ça suffit à combler la vie d'un homme. Mais du coup, j'ai trouvé quand même, euh, j'ai éprouvé le besoin d'écrire. Puis maintenant, quand j'écris, je vais sur les plateaux. Parce que je me dis, mais alors où sont les voix Les gens qui vous parlent comme moi, ils devraient y en avoir plein. Où ils sont Ils gèrent leur carrière. Moi, je ne referai pas de politique parce que je pense que j'ai beaucoup plus d'influence aujourd'hui comme conscience morale, comme autorité que je n'en avais quand j'étais élu. En plus, je n'aimais pas ça, moi. Serrer les mains comme ça, et... quémander son picotin de popularité, il y a un truc qui vous diminue. C'est-à-dire que vous êtes une sorte de serpillère. On dit Merci, monsieur le député. Voilà, mais ah oui, question bienvenue. C'est pas une question, c'est un remerciement. Attendez, vous savez qui est ce monsieur qui se lève C'est un monument de la Vendée. Vous pouvez l'applaudir. Et vous pouvez même vous lever. Philippe ne me fait pas regretter de... Je, voilà. Je voulais te remercier d'un jour de t'avoir croisé dans la TGV. Et tu m'as dit ceci. Tu as mis la Vendée très haute, aux Jeux Olympiques, entre autres, au Tour de France. La Vendée t'en sera reconnaissant. Tu as sauvé l'honneur du cyclisme français. Tu l'as incarné même. Contre Vents et marées. Et la deuxième chose, tu as fait grandir la Vendée. Parce que d'année en année, chaque année, à cause de toi, parce qu'on supporte tes coureurs, parce que tu as sorti des grands champions comme Thomas Vaucler et d'autres, parce que tu nous as toujours étonnés, parce que tu avais toujours un, une nouvelle surprise, un nouveau prodige. Sur toutes les routes du tour, à cause de toi, il y avait des drapeaux. Rouge et blanc, double cœur, à cause de toi. Donc tu m'as dit merci, demande nos amis vendéens. Jean-René, je ne savais pas qu'un jour j'aurais une occasion magnifique de te dire avec tout mon cœur. Par manque d'expérience à la sortie de leurs études. Merci pour votre réponse. Le. Moi, je dirais à un jeune aujourd'hui euh, qui finit ses études, c'est bien ça, ou qui a fini ses études, que d'abord, les études ne sont jamais assez longues. De Gaulle disait, le commandement, c'est la culture générale. C'est profondément vrai. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir des profs extraordinaires, qui m'ont appris à lire. À à écrire. Euh, la culture générale. Donc les longues études. On n'est pas pressé. Ça vaut la peine de faire des longues études. La maturation pour arriver à maturité. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est euh, euh, de, de chercher des entreprises euh, dont le patron est amoureux de son produit. Parce que l'entreprise, ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature. C'est la dictature du client. Le patron de l'entreprise, le vrai patron de l'entreprise, il est à l'extérieur, il est capricieux, parce que c'est lui qui met la main sur la tête de gondole. Il fait ce qu'il veut. Si le client, il a envie d'aller au Futuroscope, plutôt qu'au Puy du Fou, tant pis pour nous. Si le client, il veut acheter du savon cric plutôt que du savon croc, on ne peut rien faire. Donc, quand on parle de démocratie de l'entreprise, c'est ah, le patron social, c'est... Ah, non, non, attendez, le patron, il a, il, lui, il a un boulot, c'est de protéger son produit, de... de de le faire vivre, de l'adapter, de le faire grandir. Parce qu'il rend un service en fait à la société. Parce qu'un produit, c'est un service. Et si jamais le produit est bidon, ça sera très vite. Ce n'est pas le marketing d'image qui va le protéger. Donc un patron qui aime son produit, c'est un bon patron. Et il faut travailler avec lui. La deuxième chose, ça c'est un jour Pierre Bellon qui m'a dit ça. Le grand patron de Sodexo. Il m'a dit Tu sais, Philippe, une entreprise, au début, il faut un entrepreneur, un créateur, un défricheur. Puis après, il faut des intrapreneurs. Je ne sais pas si le néologisme vous dit quelque chose, mais c'est génial comme mot. Et moi, en fait, au plus du fou, euh, je parle en présence de Laurent qui sait ça mieux que moi nous, on fabrique tous les jours des intrapreneurs. C'est-à-dire, ce pas les patrons, mais ils sont patrons eux-mêmes, euh, en tant que créatifs. C'est-à-dire, s'ils voient quelque chose qui ne va pas, hop, ils alertent. S'ils voient quelque chose qu'on peut améliorer, ils améliorent. Pas de hiérarchie. Ils sont un peu les actionnaires moraux de l'entreprise. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on a cette chance inouïe en Vendée d'être le premier département pour la création d'entreprises. On est le premier département pour la propriété d'entreprise. C'est le département où il y a le plus d'entrepreneurs qui sont propriétaires de leur entreprise. C'est un département où euh, on crée des emplois naturellement où l'entrepreneur, et c'est le plus beau compliment que je puisse leur faire, considère, quand on l'interroge, moi, mon vrai capital c'est mon travail. lorsque le président de la république est venu aux herbiers, il a été surpris d'entendre certains entrepreneurs, dont andré lebeau, qui lui ont dit: aidez-nous à faire en sorte qu'on puisse transmettre à nos enfants pour que l'entreprise puisse continuer. le royaume de l'entreprise familiale en france, le petit royaume de l'entreprise familiale en france, où on transmet, où on cherche à transmettre, c'est la Vendée. Un jour, j'ai parlé avec un ami que certains d'entre vous connaissent, qui vieillit, qui vieillit, hélas, qui était un grand entrepreneur, président de la chambre de commerce et transports Joyaux, Henri Joyaux. Henri Joyaux, un jour, il me dit :« Voilà, je vais partir en retraite. J'ai pas de solution. » On va être obligé de transmettre l'entreprise. Mais voilà, j'ai trois propositions. Une proposition mirobolante, mais je ne sais pas ce qu'ils feront du personnel. Une autre, un peu moins mirobolante, mais qui reprend que 50% du personnel et qui se donne la possibilité de licencier, comme on dit maintenant, dégraisser, salopard. On dégraisse dans les abattoirs, mais pas dans l'entreprise. Une troisième solution, euh, ben, il ne donne presque rien à nous, notre famille, pour le capital, beaucoup moins, mais il s'engage à garder tout le temps à vie le personnel. Il s'engage par écrit, par convention. Je lui dis Ben Henri, qu'est-ce que tu vas faire Il se retourne vers sa femme, exceptionnelle, chef d'entreprise aussi, et il dit Bien sûr, on va choisir la solution vendéenne. C'est-à-dire la solution vendéenne. Pas au, au sens moral, pas au sens physique. Solution moyenne, ça veut dire la solution où, voilà, le personnel est là. Oui. Donc en fait, euh, je, mademoiselle euh, qui m'avait posé la question, je vous dirais ceci euh, dans la vie, il faut avoir un mentor, et si possible, lui être fidèle. C'est plus rentable. Mais si vous avez un mentor, euh, il va beaucoup vous apprendre. Et surtout, il va détecter en vous des qualités que vous ne semblez pas connaître vous-même. Moi, j'étais complexé, j'étais timide, j'étais mangé de timidité. Et bien, je vais le plus du fou. Parce que j'ai trouvé des gens sur ma route qui m'ont donné confiance en moi. Et donc, dans l'entreprise, il y a des gens comme ça qui vont vous tirer vers le haut. Choisissez un mentor. Suivez-le. Soyez-lui fidèle. Et vous irez très loin. Merci Philippe de Villiers. Ce sera le mot de la fin. Merci encore. Merci. Merci encore. Merci encore. Oui, il est 21h30 passé. Donc, nous devons nous quitter. Malheureusement, on aurait pu rester là toute la nuit. Hein. Oui. Merci Jean-Michel. Et ici, vous avez un entrepreneur. Euh, je l'ai connu tout jeune, moi. Je vais même vous faire une confidence. Oh là, attention. On crée Alouette avec Bertrand. Alouette FM, à l'époque. Donc il fallait une rédaction. On cherchait des journalistes vendéens. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Puis un jour on m'a dit, ah, il y a un petit gars qui vient de faire l'école de Lille. C'est l'ENA du journalisme. Il serait peut-être disponible. Je l'ai fait venir. Il m'a posé deux, trois questions, du genre c'est une vraie radio ou c'est simplement patronage Je dis non, une vraie radio. Et à ce moment-là, moi, je lui ai dit Et eh toi, t'es de gauche, t'es journaliste <laughs> Et il me répond La phrase que j'attendais, c'est ma déontologie. <laughs> C'était un entrepreneur, ça a été un grand journaliste. Euh, c'est formidable d'avoir fait le SERA. Parce qu'on a besoin de se voir, de se revoir, de se parler d'échanger et de réfléchir pour inventer. Voilà. Il faut jamais oublier que la Vendée qui nous a précédés, elle était inventive. En fait, elle avait deux qualités, les racines. Elle était inventive et fidèle. Il y avait une humilité, l'humilité créatrice, la fidélité, la fidélité. On, on leur doit tout. C'est curieux parce qu'aujourd'hui, on voit l'art moderne, la toile blanche. Et on dit, ah, il s'est mis en rupture. Mais le vrai créateur, pour se mettre en rupture, il faut d'abord qu'il fasse le plein de ses fidélités. Pour créer un modèle nouveau, un produit nouveau, comme par exemple le du Fou, il faut d'abord faire le plein de ses fidélités avoir l'humilité d'amasser, de, de sédimenter pour être un entrepreneur. La réussite de Jean-Michel et de tous les entrepreneurs qui sont ici, fait honneur à la Vendée, inventif et fidèle. Vive la Grande Vendée. Merci. Merci Philippe. Évidemment, cette poste face n'était pas du tout prévue dans le scénario. Merci encore infiniment de t'être prêté au à cette rencontre du SERA. C'était une première. Bon, il y en aura peut-être d'autres. Euh, merci à vous toutes et à, et à vous tous. Un pot, un pot donc de l'amitié nous attend dans le hall de, des Atlantes. Et puis euh, Philippe euh, aura, j'espère, un peu de temps pour euh, euh, faire quelques dédicaces dans le hall également des, des Atlantes. Chez nous, il y a un principe dans le bocage. Je ne commencerai à parler, mon petit gars, que quand tu auras ouvert la pinette. Ah ben voilà. <laughs>